Ce soir, on va jouer un simulateur d'escape game où on nous a fait une map. On va jouer à la version 1.0.18.25.7R, pour être tout à fait exact. Il vaut mieux le mentionner. Oui, ça a son importance. Oui, c'est très dur de rebondir sur ce numéro de version, je trouve. Mais je On ne suis fera heureux de pas l'apprendre. attention au fait que le studio s'appelle Pin. Ah, c'est vrai? Voilà des gens de bon goût. Ça Alors fait plaisir ça. je pense que parce qu'en français, nous, on appelle ça une pin, mais que eux, ça doit pas avoir vraiment le Oui, même sens, du coup. bah c'est. J'imagine. Ou alors, ils sont très Ou drôles. alors c'est des gamins, c'est tout. Et il y aura. Oui, j'ai mis dans le tweet qu'il y aura une annonce. On va attendre un peu, mais on va vous stack. Voilà, et après on vous dira Oui, ce bah oui, qu'il c'est en mieux de est. stack. Parce que si c'est en début de live, bon. On vous dit pas tout maintenant, mais on vous dit tout à l'heure. Faut pas gâcher le plaisir. Donc. Alors, on sait pas ce que ça va donner, en gros, je vous explique. Il y a Pin, donc, Monsieur Pin, qui est venu vers nous. Il a dit, on a un jeu d'escape game en coop qui va sortir. Moi, je me suis dit, ok, génial. Il a dit, Monsieur Pin m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse une game customisée sur mesure pour vous? Moi, je réponds, c'est faisable, c'est totalement génial. Vous voulez que je vous donne le contact de quelqu'un qui pourra, du coup, vous aiguiller sur... Quelle référence mettre dedans, etc. Tu sais, pour que l'escape game il ait du coup un rapport avec nous. Et il a dit non, c'est ok, on s'en occupe. Donc, moi je pose un billet sur le fait que la seule référence qui est sur de nous, c'est un JPEG de notre logo YouTube. Link va jusqu'à dire qu'il y aurait des Wankul. Moi, je Là, pense que qu'il y a il peut-être, sort. il y a peut-être dans un coffre quelque part un Wankul. Qu'à mon avis, c'est le gros reveal du truc à un moment, tu vois. C'est la hype. Mais pas plus loin, je pense. Parce que Mais voilà, il pas parle plus pas loin. français. Il parle pas français en fait, Bah je non, pense. c'est pas, il connaît, il Et il nous ne connaissent connaît même ni pas. Dave ni d'Adam, il s'est juste dit je vais Donc, contacter des streamers, quoi, c'est tout. bonne chance à eux. Je pense qu'on ne peut avoir que des bonnes surprises. Parce que. J'imagine mal que Monsieur Pin va nous faire faire une chasse au trophée YouTube qui a disparu et qu'il y aura Siphano qui va s'interposer, etc. À Voilà, mon je avis, il n'a pense pas les il a références. pas compris le lore Wankhill qui dure depuis des années. Hein. Il n'a pas. Mais bon. Mais en tout cas, leur jeu a l'air sympa, moi j'ai fait le tuto. L'intention est Et bonne. il y a des codes d'escape game qui sont intéressants. Et surtout, c'est ça qu'en fait qui est la particularité du jeu que je trouve intéressant, c'est que visiblement les gens pourront créer leur propre map d'escape game Ouais, puisqu'il y a un ça c'est workshop. bien. Et ça, c'est génial parce C'est que les mecs potentiellement. talentueux. Est-ce que. Arrête-moi si je me trompe, est-ce que on peut dire que la seule limite, c'est notre imagination? le C'est ça? podcast de mec chiant! Oh la vache! C'est ça que tu veux dire en fait? Non Ça mais change ouais tout. c'est pour moi c'était jamais vu pour l'instant dans les escape games, c'était toujours des trucs faits par les devs et ils avaient jamais laissé la possibilité aux gens En d'avoir vrai, un c'est bien. workshop où ils allaient apprendre un truc. D'autant plus que vraiment, enfin je trouve ça trop bien parce que je sais que des mecs qui sont créatifs dans les escape games, il y en a beaucoup mais qui n'ont pas de quoi aller exploiter leur talent parce qu'en fait ils n'ont pas des gens pour les recruter pour Après, faire à voir du coup des maps sur mesure. leur création de salle à quel point c'est poussé en fait. Mais À en mon vrai, avis, le problème, c'est que ça l'idée est doit bien. forcément être limité. Ça doit être, tu sais, genre des codes de trucs très simples à placer, je pense. Mais rien que de pouvoir ajouter plein d'éléments, mettre un code particulier, etc. Tu sais, si c'est un peu comme Ah bah le voilà. mapping CS, c'est pas mal. Oh, les gros malins. Il y a un mec, j'ai vu. Ah bah ça, c'est très clairement un deuxième jeu Wankhill. Juste parce qu'on suce la bite au jeu, vous croyez que c'est notre jeu? Alors. Et non, mais les Ça c'est gars, des incroyable. fois il y a des bonnes démarches et genre c'est pas la première fois qu'on complimente un jeu, Ouais, on mais n'est même arrête, c'est pas. ton jeu. Ouais, non, mais arrête. Tout le monde t'a Non, mais en plus, cramé. il y a marqué Pin Studio. Ouais, mais ça aurait pu être une idée à nous, ça. Non, mais je suppose que si tu cliques sur le Twitter, le Facebook et l'Instagram, tu dois avoir tout un. Probablement, ouais. Probablement. Non, mais bref, non, c'est l'annonce, ça va pas être. Non, l'annonce n'a rien à voir avec le jeu vidéo auquel on joue. Oui, Pour vous non, il n'y a dire, pas d'annonce, même. Ah oui, le ça. deuxième jeu que je veux faire, il est au point mort. Donc, il n'y aura pas d'annonce de jeu ce soir. Je t'invite là. Non, je reçois rien. J'ai reçu un truc. Ouais. Ah, donc toi, t'as fait le Ok. tuto avec la chambre, Ouais. machin. Après, il y en a Bah, trois. t'es sorti de la chambre? Waouh! Non, moi, j'ai pas fait de tuto, j'ai rien fait. Ah, non, mais c'est-à-dire que t'as même pas les bases en fait. Bah, il n'y a pas de base dans l'escape game, tu te déplaces et t'appuies sur des trucs. Bah en fait si, oui et non, on t'apprend des touches genre espace, c'est pour analyser un objet, tu vois, le faire Oh tourner sur lui-même. putain!
Après, c'était assez intuitif. Oh, c'est loose. Genre là, tu vois, j'ai juste retenu espace. C'est-à-dire que je sais plus le reste. Ah ouais, donc ça va en Mais fait. Ok. j'imagine. Très bien. Bon, là, Et du là, coup, on a ça, c'est la le map. Wonky J'espère qu'il n'y a Bank pas un chrono, Heist. hein, par contre. Oh. Oh non. Oh non, j'espère qu'il n'y a pas de chrono. On veut être tranquille, on veut être... Laissez-nous. Bah après, il y a toujours un chrono dans les escape games, mais... Ah, des bananes! J'avais raison. On avait raison, il y a Non. des bananes. Enfin, pour l'instant. Ah, ils étaient un peu plus loin que. Oh putain, c'est déjà une énigme en fait, il y a Il y plusieurs a... bananes sur les tableaux. Il y a un certain nombre de bananes sur chaque Attends, je vais tableau. couper la musique finalement, parce qu'elle est tout le long du Moi, truc. Voilà. j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de musique, là. J'ai tout coupé. Alors. A, B, C, D. Non, non. A, D, C, E. A, D, C, E, y a un... on a une roue qu'on peut tourner On avec a un des marteau. dés. On a des marteaux pour casser les vases. Voilà. N'en dis pas plus. Ah. Ah, attends, je peux l'utiliser? Comment? On peut l'utiliser? Place. On peut le place. On Ah, peut on peut pas le, juste le le. placer. Ok, bon, on en a un chacun. Mais là, il Ah y a bah un truc alors, derrière ce regarde. vase. Théma, Théma. Ah oui. Non. Ah, lui aussi? Ouais, là Ah aussi, oui, lui ouais. aussi. Mais là, si je, moi, je suis pas un génie, hein, mais si on veut, si on dit juste combien il y a de bananes sur le tableau, c'est bon, non? Attention, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup. Enfin, je pense qu'il se doute qu'on a 10 ans passés. C'est pas aussi simple que ça. Ah ouais? Alors pourquoi ça marche si je fais ça? 7, 8. Attends. Pourquoi ça marche si tu mets 3 ici? Alors, mon salaud. T'as dit 3 en mode t'as précisé. Au cas où j'avais mal compté les bananes. Non mais tu vois, imagine la grosse qui est commune à tous les tableaux, on la compte pas. Et en fait, c'est 2. Non. Alors? Alors? Attends, c'est quoi le A, E, C, D? Eh, pourquoi pas ouvrir la valve? Tu ouvres là? Ouais, d'accord, je l'ouvre, mais en fait, il s'en bat les Mais non, couilles. c'est De locked, toute dans tous façon, les c'est cas, locked. De toute c'est... façon, c'est locked. Attends, le marteau il sert forcément à quelque chose. Et toi, ça te dérange pas Attends, que les lettres elles aient une certaine couleur aussi? Moi, ça me dérange. En plus, toi tu dois rien voir, toi, pour toi à mon avis le D et Ouais. le C c'est la même couleur. Ouais, vite fait. Vite fait, le. Ouais. Ça me dit rien, moi. Non, mais attends. J'ai Bon, des attends. vases avec des marteaux. Admettons, on va baisser d'un chiffre toutes les bananes en Vas-y. s'imaginant Là, que. c'est 2. Ah. Ah, je vois, là, d'accord. Donc, Mais on le est marteau, il sert coincé. forcément à quelque chose, le Bah, marteau. heureusement qu'il n'y a pas de chrono, hein. Ah! Si, c'est bon, c'est bon. Ah, J'ai cassé. t'as réussi à péter? T'as appuyé sur quoi? Je sais pas comment j'ai fait. J'ai cliqué sur la vitre avec le marteau en main. Et Oh bah ça. j'ai même pété Ah bah, le comment t'as vase. fait? J'ai Ah cliqué sur le oui! vase. Non, bah, non, le tuto le disait, voilà, j'avais oublié, mais quand tu maintiens un clic, ça charge en fait l'objet que tu vas lancer. Ok? C'est bon? Vas-y, appuie sur. Ok. On Dégage-moi ça. appuie en même temps? Non, c'est bon? Regarde, j'ai appuyé sur les deux. Ah. Alors, Donc là. les deux trucs sont verts. Attends, si je tourne. Ah, ça change rien. Du coup là, faut dire sur le E combien il y a de bananes. Genre là, sur le E, il y a 6 bananes, du coup on met 6 ici. Plutôt que le mettre Ah là-bas. mais c'est nouveau qu'il y ait marqué le D Ouais, C machin en dessous? ça a ouvert ça, ouais. Ah. Ah bah oui, bah faut qu'il y ait une correspondance. Exactement. Du Donc coup le D, là-bas, il y en a, on là-bas, il y dit en a qu'on a 8. 3. Hein. Moi, je compte la grosse banane. Ouais, faut compter la grosse banane, c'est pour ça. Le A. Il y en a 5. Oh, on est des génies, par contre, hein. Ouais, bah ça va être Et c'est facile, hein. parti. Ça va être facile, je pense, hein. Tu vas arrêter de. Ah! Time? Oh non, quoi time? Non, vous n'allez Hein? pas faire un chrono. Non. Oh! Oh, ça va plus loin que. Regarde! Regarde le tableau! Oh! Des wankules! Ils l'ont fait, ces malades mentaux! Ils ont. Ok, ils ont mis des wankules. Donc pour l'instant, Oh non, il y a ils ont mon mis des wankule wankules. Ah! de merde T'as pas le là! droit de le dire maintenant. T'avais le droit Ouais. avant, tu peux plus le dire maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait tomber un J'ai. pharaon. Je ne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. Et du coup, Je. là, ça fait pareil? Oui. Super. Je fais sortir les pharaons. Je suis content. Alors. Oh là, mais. Mais alors. Oh, des bananes! T'as vu, Terra? Des bananes! Oh, des bananes! Alors, Bah, ils regarde! vont loin! J'ai une banane! Ouais, la banane! Je suis mort!
Ah, il y a vraiment plein de bananes. Je m'attends à tout moment à... Ça, ça doit être utile, ça. C'est une capsule avec marqué 25. Bah là, il y a marqué 25. Ici. Laisse-moi retirer la capsule. Pour l'instant, bingo. Il n'a rien compris. Mais c'est pas grave. Et là... Ah, ceux-là, c'est la même chose, mais faut les ouvrir avec des codes. Ouais. Et ça, ça se casse encore, là, cette merde? Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Vas-y, défonce tout. Ouais. Pareil, là, c'est des codes. Et là, ça, ça s'ouvre. Ouais, les bananes. C'est quoi l'annonce? Vous le saurez bien assez vite. T'inquiète pas, va. Tu vas savoir. Vous inquiétez donc pas, restez calme, ça va bien se passer. Là, il y a des antibiotiques. Alors, je suis pas malade. Voilà, je suis pas malade non plus. Oh. Oh. Attends. Là. Si on additionne ça et si, ce qu'il y a là-bas, ça fait 2. 3. 3. 7. 7. Attends. On dirait un 7. 9. Même si c'est pas complet. Ah. Non, attends. C'est bizarre le dernier, non? Attends, le dernier il est chelou. 4. Ce... 4, bon, c'est un 4. Mon cerveau il bug. Ouais, 4. C'est un 4, ouais. 2, 3. Pardon. 2, 3, 7, 4. Y a un endroit où on a besoin de 4 chiffres? Parce que. 2, 3, 7, 4. Là, peut-être? Genre. Ici, là, 2, 3, ah, 3, ah, ça s'allume en vert, là. Oh, bon sang. On a un pilier. On voilà. A un pilier. Ah, regarde les mini-statues, là. Ah, chacun tient quelque chose. Ah oui, bah lui, il tient les deux boules. On a juste à les... Non, mais on faut qu'on les tourne. Mais alors, en prenant en compte quoi? Que c'est par rapport à quoi? Au sens dont elles sont réellement? C'est pas... Genre lui, c'est quoi? Lui, il a... Lui, il a les... Il a une double coupe et un parchemin. Exactement. J'avais dit les deux boules, mais c'est mieux. Lui, c'est... il a quoi? Il a des bâtons. Deux bâtons. Ouais, c'est les lui. Bâtons de berger. Et les bâtons, bah... Et les tournés par là-bas. Par là-bas, hein. Et là, le problème, c'est qu'il faut qu'on... Ah non, il y a lui aussi, ok. Lui, il a avec le totem, là, le bâton. Bah lui, il est dans le bon sens. Et... Non, c'est pas le même. Attends. Non. Ah si. Ok. Lui, il a un sceptre... Bah là, il y a qu'à tourner celui-là et au bout d'un moment, pointu. On va être bon. Hein. Ouais. C'est bon. C'est bon. Oh là là, putain, mais le talent, c'est ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, je pense qu'ils se disaient pas que ça allait aussi vite. Je pense que quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire, mais what the fuck, ils auraient dû nous dire qu'ils étaient aussi forts que ça. Bah ouais, les gars, je suis désolé. Oh là! T'avais vu l'énorme banane? Oh la taille, c'était pas un panneau en fait, c'était une banane géante! Putain, on avait tellement raison sur les bananes! C'était sûr que ça allait être la banane, hein! Ah, ça c'est bien! Rien derrière les coussins, allez hop! Merde, je pète tout! Tiroir? Ouais, moi aussi! Non! Bon alors, après, ça ouvre là, quoi? Ça, c'est des... Ah non, ça c'est ok! Ça c'est des codes, et ça c'est des. On en a pas vu d'autres, des trucs comme ça? Il me semble en avoir vu un à un moment. Pourquoi il y a des cœurs Ah bah tiens, effectivement. Pourquoi il y a des cœurs? Parce qu'il y a des cœurs ici. Ah mais c'est parce que ça symbolise que c'est le pilier en fait, c'est tout. Oh bah c'était pas la peine de nous le dire. Oh. Il nous manque cette capsule 6, la capsule 15 et la capsule 30. Oh! Pourquoi je peux pas le prendre? Je peux juste le glisser. Ouais, je crois que c'est... Ah parce que c'est trop lourd. On s'en fout. Il y a des objets qui sont trop lourds, je peux pas les prendre. Tiens. Y a rien derrière les tableaux de Wankul. Moi, j'y crois pas une seconde. Ah, ces codes-là, ça reste quand même le plus grand mystère de l'humanité. Hein. Ça, c'est... On va s'en mordre les doigts. Pourquoi y a cette série de codes? Oh, c'est quoi, ça? T'as ouvert un truc, là? J'ai rabattu des trucs. C'est bizarre. Et là, il y a encore des codes, ici. C'est quand même... Ah, oui. Si tu veux mon avis... Ouais, t'as vu. Si tu veux mon avis, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que c'est étrange. Ouais, là je. Mais alors je suis un peu moins. Ouais. Ah, il y a une capsule, la trou de balle. La capsule 30. Je suis pas un trou de balle, mais elle était où déjà? Bah, je sais pas, elle était sur le canapé. Ouais, bah, il me semblait bien d'avoir vu une quelque part. Et en fait. Ouais.
Attends, mais peut-être que c'est dans un des vases. Allez. Qui tout commence péter. À péter tous les vases avec rage. Ah, dommage, j'y croyais. Putain, on est bien baisé. Après, je les ai trouvés, je l'avais trouvé dans un casier. On a pris, on aurait peut-être pas dû prendre les bananes. Ah ouais, alors ça, ça symbolisait le ça te fait quoi si tu fais ça? Ah, c'est pas non. Oh, non. Non, imagine. Non. Bah, j'espère qu'elle symbolisait pas les codes qu'il fallait mettre. Oh non. Par casier. Ah, vu que c'est en face. Non. Non, il y a trois chiffres, il y a trois chiffres alors qu'il y a des unités qui non. Impossible. J'espère vraiment que c'est pas ça. Parce que là, mec, t'as foutu la merde avec ta banane de merde. Ce là. Serait vraiment une idée de merde. Je pense pas qu'ils aient fait ça. N'est-ce pas? Ok, donc là, ça veut dire que là, il y en a 4 et t'en as pas pris ici. Non, mais attends. Mais le problème, c'est que. On peut pas tourner. Mais non, non, ça n'aurait pas de sens. Genre là, je peux pas juste mettre 4. C'est quoi cette merde? C'est quoi les codes? C'est bizarre. Les codes. En plus... Attends, mais ça et ce pilier là, faut pas qu'on l'oublie. S'il y a des codes sur ce pilier ci aussi là. Bah ouais, mais. T'as vu, il y a, là, des, y a des petits joyaux là, il y a des petits joyaux. Ouais, mais il y en a 4 tout autour. Et ouais. C'est quoi la référence des joyaux Il y a forcément dans la map, une ref. Il y a une ref. Il y en a pas. Si. Regarde. Y a pas de ref. Oh, regarde l'horloge. Alors, le problème c'est que. Je Et il y a un joyau. Tu vois un joyau où? Au centre des aiguilles. Mais c'est pas exactement le même. Quoi? Mais c'est pas un joyau rouge? Ouais, c'est genre, pas un joyau du tout. Non. C'est juste un truc jaune, genre. Ouais, j'ai cru que c'était précieux, mais pas du tout. Attends, mais je vois très mal le. J'arrive même pas à choper midi en fait. Midi. Alors, c'est comme ça. Du coup, il est 2h30. Ça, c'est trop sombre. Ouais, mais c'est mon faux. Écran est trop sombre, je vois pas. C'est faux. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, c'est là, je crois. Ça doit être ça là. Ah, c'est bon. C'est bizarre. Okay. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Il est 6h10. Est-ce que c'est vraiment. Et il y a marqué time. Mais time. Time for what? Ah, attends, c'est la. Ah non, c'est la petite aiguille ça, du coup, c'est fou. Non, c'est bon. Ah non, attends. Ouais, mais là, c'est faux. T'as raison. Il est 2h30, non. Mais il est pas 2h30. Il est 2h30. En fait. Mais sauf que la petite aiguille, elle est pas entre le 2 et le 3 là, elle est que sur le 2. Elle est foirée leur horloge. Bon, on va dire qu'il est 2h30. Mais même s'il est 2h30, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? À moins qu'on doive marquer 2h30 quelque part. Bah, je marque 2h30 quelque part. Je ne vois vraiment pas. 2h30, ouais. Putain, ils nous ont eu les salauds. On est coincés, ouais, d'accord. Ouais. Ok, là j'avoue que. J'avoue, je suis un peu coincé. Ah ouais. Hop. Bah ouais, non, je suis pas. Mais non, on est pas coincé. Attends, je vais te donner ça pour que tu vois ce que. C'est quoi? Ah, j'aimerais te la donner. Tiens. Fais zoom dessus, tu vas être. Ah tu vas putain, être... t'as trouvé ça où? Bah, sur la petite table basse là. Ici. On avait tout pris sauf ça. Alors, ouais, du coup, seulement, c'est celle qui a le pilier gauche qui est bonne. Attends, ah non, ils mettent une croix pour dire ah, c'est là trop que bien. Tu cherchais. Regarde, tu me montres avec ta souris. Je peux regarder ce que tu tiens. Ah. Et je vois ta souris. Tu me montres. Là, je vois ce mais que tu me montres. C'est trop bien, je vois ta souris aussi. Ça, c'est extraordinaire. Ça, okay, ça d'accord. C'est-à-dire que c'est ce coffre-là dont on doit se focus. Ouais. T'imagines, il n'y a qu'une croix. Genre, c'est pas toute barrée, ouais. C'est qu'une croix donc, ici. Donc, poteau à droite et en haut au milieu. Poteau à droite, donc c'est là. C'est ici enfin, et c'est celui-là. Et maintenant, comment on chope les trois chiffres? Bon, on marque 2h30 en fonction vas-y. De l'horloge. Merde. Super. Ouvre-toi. Ça n'a pas l'air d'être ça. Mais en soi, c'est celui-là donc, où il faut se focus. Putain, il y a peut-être autre chose. Ah, j'étais bien content d'avoir trouvé ça. Je me suis dit, ça va nous libérer. Bah au moins on sait sur quel coffre se focus, mais en fait c'est quoi ces conneries de bananes là? Elles servent à quelque chose? Bah non, mais ici on avait trouvé une capsule, la 25. Ouais. Donc et c'est vrai qu'il nous manque deux capsules? Ouais, il nous manque deux capsules. Ouais. Non mais attends, ça j'espère vraiment que c'était pas les nombres de bananes. Non mais par pitié. Attends, là il y en a 7.
Si, je marque. Ouais, mais tu vas pas juste marquer 007. Si. L'agent. Lui-même. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, mais... C'est bizarre, les... là c'est un poster alors que là-bas c'est des tableaux. Donc ils doivent s'ouvrir. On voit qu'ils peuvent s'ouvrir un peu. Ça se voit. C'est vrai qu'on dirait qu'il, genre, qu'il lui, s'unlock. Lui, on dirait qu'il s'ouvre pas. Lui non plus. Mais celui là-bas... Celui là-bas, il a une ouverture. Avec ma vieille gueule là, celui-là il s'ouvre, c'est sûr. Eh mais t'as pas... Faut choper... Tu sais que des fois il y a... Ah, il y a aussi ça dans le tuto. Il y a des petits objets... Mais t'as fait tomber tes lunettes. Tu oui, peux te les mettre ? Je peux ? Je sais pas. Attends, je les regarde. Oh, mais je peux voir en détail. Tu peux aussi voir les... C'est trop bien. Oh là là, mais c'est beau ça. Ça, j'aime bien. Tu vois ? Mais du coup, ok. Mais on peut se servir d'un objet. Ah, mais du coup, en dessous ce plateau, il y aurait pu avoir un code ou quoi ? Ouais, mais non, il faut tout regarder là. Ah, regarde ! Attends. Non, c'est une tasse en fait. C'est pas une oui, clé. Je l'avais ramassé. Bref, le... Là ? Pour moi, là, c'est un trou pour faire rentrer un objet de cette forme-ci. On dirait un genre de pain de mie, la forme. Regarde. T'as pas trouvé une petite clé ? Regarde ce que j'ai. C'est... Elle est pour toi. En plus, ça a fait de musique, genre. Oui, pourquoi il y a eu une musique, par contre ? Parce que j'ai juste pris une rose et il y a eu un truc. C'est un peu bizarre. Non. Comprends pas. T'avais touché un truc quand ça a fait ça ? Bah, j'ai juste cliqué pour regarder ce que tu regardes en même temps. D'accord. Putain, il y a forcément une petite... C'est quoi ça ? Une horloge ? Ah, et elle indique quelle heure, celle-là. Ah, mais tu peux voir aussi. Putain, mais c'est un truc elle de indique ouf, hein. Encore une heure de merde. Oui, mais Ah, 8h15. Eh ben, on peut peut-être céder ? Non. Bah, vite fait, hein. Après, je pense que c'est pas pour rien, quand même. Je sais pas, si sur cette horloge il est 8h15, que sur celle du haut il est, j'ai déjà oublié l'heure qu'il était. Il est 2h30. Il fait trop sombre, j'arrive pas à voir. Midi et demi. 2h30. Et on peut pas changer ben, l'heure. Non, on peut pas. Dernière... Ça fait rien si... D'accord. Oh bordel. Pour voir. Plus haut. Il faut voir plus loin. Non mais faites pas genre vous avez trouvé. C'est dur là. Vous avez pouvez pas regarder sur internet, bande de trous de cul, hein. Vous avez pas trouvé de toute façon. Pourquoi j'arrête pas de faire des... Ça fait un son chiant quand je regarde des objets maintenant. Ouais. On peut mettre les objets à la poubelle. Mec, ah ouais. Je suis persuadé qu'il fallait trouver une clé. Eh, je vais retirer toutes les bananes, voilà. Et si tu les casses, c'est peut-être une clé dans la banane. Genre, tu la jettes et ça la... Ah moi, non, je ça la colle au mur, c'est des bananes collantes. Toutes les bananes, peut-être qu'il y a une clé cachée. J'ai 14 bananes sur moi. Voilà. On a trouvé un truc intéressant de caché, là. Putain, c'est pas possible, je vais pas ramasser toutes les bananes pour rien. Ouais, bah ouais, c'est ce coffre aussi, quoi. Tu vas l'amener jusqu'où là ? J'ai vraiment envie d'en faire quelque chose, mais je sais pas quoi en faire. Antibiotiques intramusculaires, 4 mg, injection, 1 ml. Et alors, on peut pas... Ouais, ça m'aide pas. Y'a pas une plaque de pression, hein. Putain, bah bravo. Ah. Ah bah, terminé le vase. Putain. Là, je t'avoue que... Oh merde, on a perdu, à moins là. Qu'il y a un objet qui soit caché quelque part qu'on n'aurait pas encore vu. Là, on a perdu, là. J'ai l'impression qu'on est un peu baisé. Mais j'en suis pas complètement sûr. Fais chier, putain.
Parce que je nous sentais vraiment comme des génies. On était chaud de ouf. Là, maintenant, j'ai un doute. Et d'un coup, toute la créativité a disparu. J'ai peur que ce soit, comme tu dis, un petit objet qu'on n'a pas vu. Qui était dans un vase ou un truc comme ça, et on le voit pas dans les débris. C'est clair, parce que ta connerie de tableau, là, bon, c'est pas celui-là. Mais il y a vraiment de quoi l'ouvrir, là, c'est sûr. Bah ouais. Clés. Ça me perturbe, cette histoire de... Là, ça va là. J'ai fait une montagne de bananes, mais c'est tout. C'est vachement beau, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah mince! Fais chier. J'aide, mais bon. Merde! Putain! On croit en vous. Ouais, bah ouais. En fait, j'ai l'impression que. C'est marrant parce que j'ai l'impression que personne n'a compris finalement. Genre, il n'y a pas que nous. Que quelqu'un a compris, que quelqu'un saurait quelle est la solution. Attends. Ah ! Hé ! Mais non, mais non ! Oh non ! Oh non, mais ça me dis pas qu'on a pas vu ça ! Oh non ! Ça monte et ça descend. Attends ! Il y a une répercussion là ! Il y a de l'argent, il y a de l'argent ! Ils ont une chaîne, ils savent ! Ils savent ! Ils savent qui on est ! Il y a énormément d'argent ! Il y a plein de thunes. Oh, faut les sortir. Attends, avant de passer. Il y a des codes. Oh, ils connaissent très bien notre chaîne, il y a de l'argent partout. Oh, putain, les cons. Attends, là, 3, 1, si je vire ça, il y a... Ok, l'autre code est derrière. Oh, ok, c'est bon, en fait. J'ai tous les codes. J'ai tous les codes. Regarde dans ma main. Fais voir. Oh, putain. C'est 2, 6, 9. Oh, putain. Pour celui-là. Bingo! Insère-moi ça. Et du coup, c'est quoi le reste des... Parce que là, il reste des codes, du coup. Ça, tu vois, il y a des joyaux. Donc c'est pour ici. C'est pour là. Mais oh, alors, la thune, que... la mais... thune. Mais attends, 2 secondes. Parce que si je te dis qu'il y a la même lampe ici... Non. Putain, c'était pas une clé qu'il fallait. Putain, énormissime. Et bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre trouver quel code c'est ici. Y a 3... Je les mets de côté pour les récupérer plus tard, ça, des thunes. Il y a 3 codes. Oh, l'argent, là. Oh, l'argent. Oh, bah en fait, c'est pas compliqué, ok. Ah, ça en fait de la thune, hein. Alors, bon. Premier, c'est... 8, 1, 3. 8, 1, mais... 3. Mais j'essaye lequel? Non, non, ici. Là. Ouais. Ah bah oui. Vas-y, alors dis-moi. 8, 1, 3. 8, 1, 3. Ensuite. 2, 5, 2. Ok, ensuite. 5, 3, 7. Et voilà. Et voilà. Mais c'est bon. Oh putain. Et du coup, alors... il suffit de... Là, alors, attends. Là, il était... Ok. 2 heures, comme ça. Les 8h15 avec la dorée. Ouais, mais c'était pas un truc foiré. C'était pas encore une heure foirée. Vas-y, marque ce que tu vois. Oh, je vais mettre 8h15. Zbico ! Et voilà ! Oh putain ! Et voilà, donnez-nous l'énorme banane. T'es... Faut... donnez-la nous par contre. Allez hop, on casse les vitres. Voilà. Voilà. Allez, donne-nous la. Voilà. Casse-toi. Oh. Et casse-toi. Oh. Oh, putain, le bousin. Vite. Oh, le bousin. Oh, le bousin. Tu crois qu'il n'y a pas de fin? Et en fait, c'est bon, on a juste réussi. Je pense qu'on a réussi. Je pense qu'on a juste réussi, là. On a réussi ou pas? On a réussi? C'est bon, j'imagine que oui. Je pense qu'on a réussi. Le but, c'était d'arriver à... Le but, c'est de la ramener. Allez. T'es grosse, sa mère, hein. Bon, en soi, elle était facile. C'est juste qu'on n'a pas vu les lampes. Mais elle était facile. Ouais. C'était fourbe, les lampes, hein. Ouais, un peu. Bon, je suis content. Il y a eu des wankules, quand même. Ouais, il y a eu des wankules. Et de l'argent. Et de l'argent. Bien vu, ça. Et par contre, le tas de pognon, ça, mais quel plaisir. Mais c'est beau à voir. J'aimerais trop être aux US et avoir un tas de pognon comme ça, là.
C'est beau quand même, hein. J'ai envie de rester à côté, hein. Tu sais, c'est plus classe de voir ça que juste de voir un chiffre sur la Société Générale. Genre, c'est pas... ça, c'est 10 000 dollars. Chaque paquet, c'est 10 000. Regardez. Putain, la vache. Mais, c'est... Non, mais peut... je vais te l'empiler, moi. Tu vas on voir, le presque cousin. Le lécher. On fait une pile d'argent. Non, mais c'est bien. Ils ont fait... Il y a des bonnes petites mécaniques. Non, mais c'est je pense bien. Que leur salle doit être plus développée que... Et maintenant, de toute façon, ça, mais vous, bien, cool. Vous n'avez qu'à... Qu'à en faire vous-même, que voulez-vous que je vous dise? Vous avez et qu'à ouais, nous nous en faire. Fait jeu, voilà, c'est l'happening, ouais, hein, ouais, bah c'est ouais, marrant énorme, ça, voilà. Énorme. Non, mais c'est. Si vous voulez nous en faire, vous avez qu'à nous en faire. Comme ça, Ouais, on les bah fait. Oui, parce que si eux sont capables de faire ça, mais après, je sais pas comment ça marche, parce que là, ils ont des images importées. Je trouve ça chelou qu'ils, que n'importe qui ait le droit d'importer des images, mais peut-être que. Ah ouais. Est-ce oh merde, le pognon! Est-ce que tu peux faire des escape games avec n'importe quel type d'image? Ce comme serait dingue. Des gros chibres ou tu peux faire vraiment ce que tu veux. Après, ok, je viens de penser à un truc. Parce qu'en fait, mais un mec qui veut vraiment nous troller, il fait un escape game, sauf qu'il fait exprès de faire une épreuve à un moment donné qui est irrésolvable. Oh putain. Genre, il n'y a pas de solution. Et là, il ah nous pourrit ouais. Le live. Non, ça se trouve, en fait, tu peux pas, il n'y a pas forcément à compléter sa salle d'une manière ou d'une autre. Oh, c'est horrible. Donc du coup, je pense que trop hâte que vous nous fassiez des salles sur mesure. Mais à tester par d'autres mecs avant qu'on la fasse nous, pour savoir si c'est faisable. J'ai envie d'ouvrir tous les coffres. T'as pas les codes? J'ai l'impression qu'il y a un easter egg. Si, je les ai tous. Ah, t'as des... Là. Ah ouais, vas-y. Faudrait que l'un de nous deux tienne le papier et l'autre le fasse. Tu veux faire quoi? Ouais. J'ouvre. Ok. 8, 8, 7. 4, 9, 8. Ah non. 3-3-3. Ouais, d'accord. 4-9-8. 3-3-3. Bon. Tu m'emmerdes. Putain, on va être ah. 7-1-8. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va être déçu. Il y a peut-être pas un... Oh! Oh! Énorme ref. Non. c'est pas bon. En fait, non, mais c'est... Mais c'est déjà bien. Il 4... y a un truc dans le... 4-9-8. C'est bien. 4, 9, 8. Énorme. On fait okay. Les autres. C'est pas fini. 2, 2, 5. Oh, oh des livres. 1, 2, 5. Ça, c'est pour les gens qui auraient tout ouvert sans savoir lequel. Oh, oh une, un louis d'or. Non, ah, c'est un pris... truc égyptien. Il a pris wow. Le louis d'or directement. 1, 2, 3. C'est le train de la hype. Oh. Ah ouais, bien vu la ref. Vite, se B pour le train de la hype qu'il y avait dans le coffre. Chouchou. Chouchou, les gars. Il y a 3 louis d'or là. 7, 5, 2. Attends. Ah, oh, il n'y en avait pas là-dedans. 7. Ah merde. 6, 6, 5, 6. My bad. Oh le bateau. Un bateau, le Titanic. Énorme. 7, 8, 2. On est d'accord, ils ont pas du tout fini. Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule là. 4, non, 7, 5, 2. Ah. Attends, comment ça on n'a pas du tout fini? Ah si, on a fini. Il fallait récupérer la banane pour la voler. Y'a quoi selon. On l'a volé la banane. C'est un braquage de banque et on a eu le trésor. Que bon, voulez-vous juste que on je s'est vous pas dise. Enfui, mais y a pas tout un scénario où on prend un hélicoptère sur le toit du bâtiment quoi. Non, c'est tout, hein, je crois. Bah oui, c'est tout. Fallait récupérer la banane. Retourner avec la banane dans la première salle. Vous avez vu trop loin, en fait. Vous êtes c'est toujours bloqué dans façon. La banque. Ouais, mais... Oui, mais... En vrai, les gars... Je pense que c'est tout, hein. Il y a des boutons. Quoi, il y a des boutons? Où est-ce que tu vois des boutons, toi? Il n'y a pas de boutons. Il n'y a rien. Mais non, on a fini. Après, est-ce que si c'était fini, il devrait pas y avoir un... Bah, je pense que tu peux coder une fin quand même. C'est bizarre qu'il l'ait pas fait. Je sais pas. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini dès qu'on avait la banane. Hein. Pour moi, c'est terminé cette histoire. Là, c'est ce qu'il fallait qu'on ait. On a tout. Hein.
Imagine en fait l'escalier il dure 1h30 et là on se barre, les mecs ils nous disent par contre Ouais les gars vous aurez plus rien de fin pour checker la fin. Non franchement il y a des trucs à relever sur les coffres. Non. Non, c'est de... Non vous. Non non vous vous moquez de nous là. Non, non, c'est des petits, petits glitches du jeu là. Non c'est fini, il y avait que cette map là. Non bah non, il y a les maps du jeu de base. Par contre, comme on a foutu la merde, mec, mets-toi dans un coin, regarde la salle. Oh les sagouins, on a vraiment tout bougé quoi. Les gros porcs, hein. La porte devait pas se fermer, je pense. Ah, je l'ai ouverte. Oh putain, faut amener la banane ici. J'arrive. Ça y est, Voilà, grosse, là, hein. cette énorme Oh, banane là. Oh là je suis à là. fond là. Oh, vous Oh! aviez raison. Non, j'avoue, la porte, elle était un Bon, peu. ok. Pas... Elle Mais était un peu c'était fermé, fermée. c'était buggé. Elle devait être Pourquoi ouverte. 0 sur 8 en haut à droite et 0 sur 1? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on est des merdes? Il y avait 8 trucs à trouver? Il y avait un record à battre? Bizarre. Bizarre. Bon, bah, on a fini. Et ben voilà. Bon, maintenant on peut vous dire l'annonce, je Ouais, suppose. passons à l'annonce. Après, on pourra faire une autre map, je pense. Ouais, il y en a combien des maps là? Il y a trois univers, et dans chaque univers, il y a cinq maps. Oh, c'est trop gourmand. Donc, il y a beaucoup de choses. Ok. On vous l'avait teasé dans les lives. Link est terrassé de Sinnoh. Ça revient. Pour de bon. Voilà, ça c'est Là, surtout ça le truc. c'est ça, Ça ouais, parce que revient quand on pour de avait bon. repris, on était en suspens de se dire est-ce que ça va durer ou pas, et au final, c'était du one shot. Là c'est bon. On a parlé, on a mis les choses au clair. On a mis des couilles sur la table. Et là c'est bon. Voilà. Donc on va faire des watch parties à la fois sur la chaîne de Prime Video et à la fois sur la Et nôtre. a priori sur la nôtre, Voilà, c'est normalement. encore, encore à voir pour l'instant. Et ça commence dès ce vendredi. Je vais Eh faire les oui. tweets et vous allez aller le voir avec toutes les infos dedans. On va Attention. regarder. Parce Voilà. Alors là, que la terrasse, il se masturbe sous là, le bureau. bah Parce que. forcément. Parce que là, les gars, putain, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder avec vous en live qui est disponible sur Amazon Prime Vidéo? Ni plus ni moins Il jouit, hein. que le Seigneur des Anneaux. Ah bah oui, Qui est bah voilà. disponible sur Prime, qu'on va pouvoir regarder enfin après toutes ces années à vous péter les couilles avec On en va live enfin finir cette merde, on va la regarder. vendredi 21h sur la chaîne de Prime Vidéo. On vous fait des tweets pour vous Je peux l'annoncer tout envoyer là. Tout était bon. Tout était et bon. vous allez voir. Et particularité, c'est qu'en plus de ça, vous allez le voir sur les tweets. Mais vous pouvez voter pour savoir lequel de la trilogie vous voulez qu'on soit en live. Donc il y a Exactement. la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Donc déjà, allez me bourrer les retweets, parce que pour les gens hein, qui ne sont pas là, les salopards qui le voient d'ici vendredi, donc bourrez-moi ce retweet sur le premier tweet et après votez pour celui que vous voulez voir vendredi avec nous. Je n'incite personne à voter quoi que ce soit. Je dis juste que... Si on pouvait faire la communauté de l'anneau, le premier, imagine Moi, je trouve ça que assez c'est quand même logique. le début de Mais l'aventure. Enfin, c'est Frodon qui a appelé, c'est faites vous ce que qui vous voulez, choisissez. mais Faites bien ce que vous voulez, tant que vous faites un bon RT sur ce tweet. Je vais faire une commande. faites un bon gros RT. Point d'exclamation Sinoche. Comme ça, les gens sauront quand ils arrivent. Ils n'auront pas à demander c'était quoi l'annonce. Et Voilà. dans le thread constitué de vraiment trois tweets, donc c'est pas le plus grand thread de C'est un l'histoire. énorme thread. Le dernier tweet, il y a pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour regarder du coup en même temps que nous. Globalement, faut juste que vous ayez un compte Amazon Prime que vous reliez à Twitch pour pouvoir avoir accès à Prime Video avec les watch parties.
Et ceux qui n'ont pas Amazon Prime, on vous donne des tips. Il y a des réductions et offres étudiantes. Et bah surtout, hein, commencez dès maintenant. Si vous avez évidemment un Prime de côté, n'hésitez pas à le mettre sur la chaîne de Wankill, hein, même si ça marche absolument partout. Bah tiens, vous pouvez faire en même temps ça. Mais bon, j'imagine que bon, quitte à avoir relié son compte Amazon à son compte Twitch, autant se servir du Prime, voilà, de l'abonnement gratuit mensuel pour le mettre chez Wankill. Vous oubliez de l'utiliser. Non. Ce serait la boulette. On va viser normalement à peu près une fois par mois la séance c'est ciné. Ce qui est Et alors justement, il y en a qui disent mobile ça marche pas. Alors, on avait demandé, et a priori maintenant téléphone ça marche. Maintenant apparemment ça, apparemment, ça devrait fonctionner. Sur mobile maintenant ça marchera. Je sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais essayé. Mais voilà. Mais évidemment, hein, il vous faut un compte Prime, Amazon Prime parce que on est sur Twitch, évidemment qu'on peut pas diffuser des films comme ça. Ça, y avait forcément un truc. Hein. Oui. Si on a le droit de diffuser des films comme Le Seigneur des Anneaux sur Twitch, c'est parce qu'il y a les watch parties. Donc voilà. Donc il vous faudra le compte bien lié à votre compte Twitch, n'oubliez pas. Je vois les votes, voilà, je suis souriant, n'en dis pas plus. La communauté de l'anneau. C'est bien, non, mais voilà, c'est bien. Je veux dire, c'est un scandale qui arrive dans la comté pour dire à Frodon qu'il va partir faire un truc de ouf. Quoi. La pipe au bec, voilà, c'est normal, il faut... Faut être simple, on kill. Alors, bon, le businessman en moi te dirait oui, l'homme honnête te dirait pas forcément besoin. Ouais, en fait, ouais. Faut juste que tu aies un compte Prime relié à Twitch. Ton sub mensuel, tu mets où tu veux, dans tous les cas, ça marchera. Tu pourras avoir accès à n'importe quelle watch party. Pas besoin de mettre son sub offert sur la chaîne sur laquelle tu veux regarder watch party. Ça non, marche ouais. absolument sur n'importe quelle chaîne, dès l'instant que tu as relié ton compte Twitch. Ouais, vous avez Mais... pas besoin de payer un sub Prime. Hein. Vous juste, quitte à l'avoir, je veux dire, et pas à savoir où le mettre. Oui, voilà, c'est ça. Chez nous, voilà. Mettez-le chez nous, quoi. Et pour ceux qui avaient regardé celle qu'on avait fait sur Alien, on avait eu beaucoup de problèmes techniques, si vous vous souvenez. Tout est résolu. Ouais. Tout est bon. Il n'y aura pas de problème D'ailleurs, cette fois-ci. À voir, mais je pense qu'on va le faire, parce que je pensais pas que Link avait encore les rushs. Mais pour ceux qui louperont, on mettra peut-être une semaine, un mois plus tard, j'en sais rien, le live, mais sans le film. Oui, juste nos voix. Si jamais vous voulez essayer de vous caler de votre côté voilà. Avec le film. Si vous voulez regarder avec le film de côté sur Amazon, bah vous pouvez mettre le live en fond, 3, 2, 1, top, et puis voilà, vous revivez l'expérience. Quoi. Pour ceux qui ne seront pas là et qui louperont le truc. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et moi, j'ai gardé celle d'Alien, par exemple, mais Alien, c'était un peu compliqué parce qu'on avait mis des pauses et tout. Je vous préviens d'ailleurs, faudra pas faire pause vendredi. Hein. Parce que ah les oui. watch parties bah, pour l'instant, je crois que s'ils font pause et qu'ils font lecture, ça reprend en direct, ça fait pas ça reprend. Lecture. Okay. C'est juste plutôt nous qui devons pas faire pause, je crois. Parce on peut pas faire pause de toute façon. Ouais, non. En gros, c'est quand on lance le film, il est lancé. On peut plus rien faire. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Donc et on est bien content. Moi, je suis très content parce que c'est chill, ça change un peu et c'est marrant. Donc. Ouais, parce que c'est bon. Donc, on faudrait que vous soyez nombreux, hein, pour qu'on prouve que. Et voilà. Parce oui. que c'est aussi, on va avoir ce côté qu'on a toujours fait, c'est-à-dire à distance, en slip chez nous, tous les deux dans le canapé avec juste notre voix, parce que on sait que la chaîne Prime Video, ils aiment bien avoir, tu vois, de beaux plateaux, des invités et un truc sympa à filmer. Nous, on a fait le pari de leur dire que ça fonctionnerait très bien. Si on est tous les deux en slip sans nos cams, juste parce que vous êtes comme d'hab, avec nous en train de nous écouter, sans avoir besoin de nous voir tous les deux IRL. Et en plus, on a, vous allez voir, un setup sympa pour qu'on ait nos wankules quand on parle. Ouais, ça va être sympa. Et c'est... pas n'importe quel wankule, vous verrez vendredi. Ah oui. Ah oui, ce sera confortable, vous inquiétez pas. Ouais, donc voilà, faudra arriver en nombre, leur montrer que l'idée est bonne, même si on n'est pas en IRL et tout, que c'est même mieux comme ça, selon nous. Ça fonctionne. Voilà, vendredi 21h. Réservez votre soirée. Ce vendredi, puis, hein, au cas où il y aura un quiproquo. Ce vendredi 21h. Et a priori, on va avoir des petits trucs à faire en début de live. Ouais. Enfin, j'en dis pas plus, mais. Ouais, des petits. On va pas faire 3-2-1 top à 21h, quoi. On va avoir des trucs sympas à faire. Un petit quart d'heure le temps que vous arriviez. Des petites animations au début. Il y a même un truc, Terra, toi tu sais même pas, je pense. C'est assez marrant.
Non, mais je te le dirai vendredi en fait. C'est marrant. Tu sais quoi, je te le dirai vendredi. Voilà. Bah c'est chiant T'as en le fait. seum. T'as le seum. C'est Non, mais. super chiant. Attends. Non, je peux Bah te le je dire vais maintenant. Non, m'énerver. en fait, ça Bon. va. Je peux te le dire maintenant. Non, c'est juste que dans l'émission, c'est assez marrant, je trouve, comme concept. Il y a un, en fait, il y a un mot que seulement moi connais. Ah oui, je Et sais, tu as ils m'ont expliqué dit. ça? Ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais. Et Et je crois que si. c'est moi qui ne saurais pas le mot. Ouais, tu sais pas le mot, mais si tu le dis à un moment pendant le live, ça déclenchera un giveaway d'un truc Ok. Alexa là. Mais je me demande bien quel genre de mot. Mais ça veut dire que je vais devoir être hyper attentif. Hein. C'est-à-dire que toute la soirée, je vais devoir essayer de. Je vais devoir écouter si tu dis ce fameux mot. Je sais pas ce que c'est, mais. Après, si genre le mot c'est ok sur glace, il y aura des chances Que infimes pour que je le personne dise ne quoi. gagne quoi que ce soit. Ouais, on verra. Et après, ouais, en gros, y a un bifort avec des petites animations, un débrief du film avec nous. Et voilà. Bon, on a fait le tour. On espère que ça vous fait quand même plaisir, hein, parce Ouais. que Ça fait longtemps. c'est un long travail de pouvoir ramener les Dunkerque de Cinoche. Et en plus, on démarre avec Le Seigneur des Anneaux. On se fout pas de votre gueule. Attendez qu'on vienne avec Twilight. Mec, il y a tellement de choses à regarder. Bah, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas assez une fois par an. Il faudrait qu'on ait une fois tous les 2 jours pour que tous les trucs qu'on a à faire. L'étendue des possibles est Mais absolument incroyable. Hop, faut me par contre, heurter. ça se trouve, il y a des gens qui Ça vont et puis venir et qui voilà. n'ont jamais vu Le Seigneur des Anneaux, et ça, je trouve ça dingue. Ah ça va être beau hein. Ah bah ouais, non mais le Seigneur des Anneaux, 2000 combien? 2001. 2001. Et bah ouais, il y a des gens qui étaient pas nés. Parce que moi, je pars du principe que tout le monde l'a vu et qu'on va le revoir avec notre commentaire par-dessus. Et ça, pour moi, c'est lunaire que des gens ne l'aient pas vu. Jamais vu. Oh, il y a plein de gens qui l'ont Jamais pas vu. vu. Mais, Ah mais ça le c'est nombre de gens incroyable. qui n'ont jamais vu, mais je. En C'est fait, génial. j'aimerais trop. Je vous prends un par un et j'aimerais vous donner la raison pour laquelle vous ne l'avez pas regardé. Putain, c'est cool ça. Jamais vu. Mais c'est incroyable. Mais c'est un. Mais Mais il n'y a que des gens à qui l'ont votre jamais vu. place, c'est le nombre. On peut avoir un sondage, s'il vous plaît, Non pour mais tu savoir sais le quoi? nombre de gens qui n'ont pas vu. C'est trop bien parce que du coup vous allez regarder le premier avec nous. Vous allez regarder le 2 et Non. le 3 et vous allez comprendre que c'est extraordinaire. Ouais, mais surtout, enfin, on va vous niquer l'expérience, hein. On va Ah se oui, le taper des barres sur premier, des moments très faudra peut-être sérieux, que vous hein. le re-regardiez tout seul. Hein. Parce que ça va être un Calme. peu différent avec nous, quoi. C'est comme Alien, hein. Je sais, ceux qui étaient là pour le live Alien, vous êtes à peu près 6 000, c'était vraiment énorme. C'était un live très très drôle. Par contre, pour ceux qui découvraient le film pour la première fois, ça devait être spécial, hein. Très spécial. Oh, non, c'est pas. Non, vous trollez ceux qui votent, la moitié qui votent, qui n'ont pas vu le film ou qui l'ont pas C'est fini. C'est. 60-40, hein. Vous trollez, c'est pas possible. Mais c'est génial en fait, parce que du coup, vous avez vraiment. Oh, bah, Mais trop bien. du coup, c'est parfait. Parce que en fait, vous allez Bah ouais. découvrir des trucs et. Non, mais trop bien. Ouais, Il je y a des pense gens qui à. disent ça a l'air long, vous êtes fous. Non, Vous êtes fous en alliés. vrai, non. Mais là, Et c'est le. croyez-moi bien, parce que vous parlez à quelqu'un qui s'est fait des dizaines et des dizaines de fois chaque version longue, donc on parle de quand même de plus de 4 heures de film chacun. Et pour moi, c'est pas assez long. Donc là, vous aurez la version qui est sortie au cinéma qui n'est pas la version longue. Et moi, je trouverais. Le fan qui est en moi trouvera pas ça assez long. Oui, ça reste 3 heures quand même. Mais pas assez! Oui, mais pour le commun des mortels, c'est quand même assez long. Je peux te dire que. Mais c'est bien. On va pouvoir être bien là. Bon. Bah voilà. Et puis. Toutes les infos sont Allons dans le sur tweet. Allons sur la une chambre escape game. d'Osiris. Ouais. Tac. Tac. J'en regarde vite fait. J'avais pas vu ton putain de tweet. Ok. Alors, labyrinthe d'Égypte et je prends la première. First chamber. Ouais, j'imagine. Allez, de toute façon, on le fait en 10 minutes là. Maintenant, on a compris. On se fera plus avoir comme avec les lampes. Il y a peut-être des refs à PewDiePie dans celle-ci. Ah, mais j'ai. J'ai lancé tout seul, je pensais qu'on était encore en lobby là. Waiting for other player. Bah non. Tu l'as? Ouais, non, ça va pas marcher. Ah. First chamber. C'est bon.
Ok. Ah oh, c'est joli. Oh non, c'est une plaque de pression. Oh merde. Les pièges se déclenchent et le sable monte. Non. J'ai vraiment cru que le sable monte était un trou de cul. Là c'est de l'eau. Si je peux pas creuser avec cette pelle, je vais m'énerver. Ah bah j'ai ouvert j'ouvre la mallette. Regarde mon, ah ouais mon écran. Ouais regarde. Genre oh, j'ai fait ça avec le bouton. Oh mais ça me fait. Oh c'est comme The Room un peu. Trop bien. Il y a des lunettes. J'ai pris un pinceau. Je prends la loupe et la truelle. Et le livre et les jumelles. Eh bah nickel. Bon bah d'accord. Alors là il y a une clé. Et 4 chiffres. Et là il y a un timer. Oh putain. Oh merde, bah voilà, c'est ça, c'était la pression. Ah le pinceau, nettoie le sable sur le coffre. Là 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 là, le coffre en bas. Ah. À tous les coups ça se nettoie ça. Allez. Oh bingo. Oh, j'ai l'impression d'être un archéologue, c'est... j'adore. C'est quoi? C'est un régiment de fromage blanc? Le bonhomme. Il pleut. D'accord. Putain, je comprends pas ce que je vois. Oh, il y a un bouton là. Oh! J'ai appuyé sur un bouton, ça a sorti un petit ticket. Ah, la loupe! Il nous montre que faut regarder la statue avec la loupe. Elle est où celle que t'as achetée? Oh, pardon. Putain, elle, elle est là. Elle est là. Ah oui, il y a un petit système dessus. Et comment tu fais pour use un objet genre? Tu peux pas use sur celui dans ma main? Donne-le-moi. Ok, attends. Il est où? Vas-y, jette-le. Là. Là, je fais ça. Je l'examine. Je prends la loupe. Ah. La loupe, ça fait rien. Oh, faut peut-être juste le regarder alors. Bah, si je le regarde, il y a le logo, il y a le gros logo quoi. Le genre de T. Avec un crochet vers le bas. Mais pourquoi il me dit, pourquoi il me montre un symbole de loupe? C'est bizarre. Peut-être là, genre à la lumière du soleil, une connerie comme ça. Là, il y a le même symbole d'œil là et là. Oh, le corbeau. Il y avait un token. Je crois que c'est un truc secret. Ah, un autre ticket. Ça, il est différent. Tu peux faire molette pour zoomer sur le... Tu vois, ce petit signe, il est sur le côté de la statue. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu, c'est le thé, quoi. Mm-hmm. Bah ça nous fait une belle jambe. Mais en fait, c'est des tickets d'indices, viens de comprendre. Comme quand t'as un écran dans un escape game et que le mec il te balance des indices. Sauf que du coup, là, il ah, dit quoi? Ah putain, on prend des indices, on se fait baiser. Bah ouais, là il dit qu'il faut se référer au livre. Oh, t'as un livre? Ah, j'ai un livre. Moi aussi j'ai un livre, mais il est chiant. Mais je peux pas l'ouvrir. Attends, je peux l'ouvrir? Ah si si, je peux l'ouvrir. J'ai cliqué dessus et je l'ai ouvert. Tiens, regarde mon écran. Enfin, regarde mon livre. Ah ouais, ah oui. Et bah voilà, on va faire un nombre avec... Oh là. Alors attention. Oh la vache. Regardons. Tiens. Oh lolo. Shared zoom. Ouais, mais j'aimerais bien voir en même temps. On a un petit bonhomme. Ça fait 1000. Un petit bonhomme avec. Ah ouais, alors là. Là, je me souviens plus là. attends. Ça, c'est fini là. Petit bonhomme. Avec vague. Et 3 traits. Donc ça fait 300. 2000. Ça fait 1300. Mais allez. Là, ça fait trop de chiffres. Ouais, après, il y en a plein, là. Il y en a plein, ça fait vraiment trop de chiffres. Et donc... Oh là là. Bah, ah, attends, y a, en bas à droite, ils expliquent plutôt bien. Donc là, ça ferait 1205. Ah bon? Attends, oui, d'accord. Ok. D'accord. 102. 100 plus 2, ouais, ok. Mais pourquoi ça fait quand même beaucoup d'additions sur tous les trucs là. Ah, j'essaie de comprendre pourquoi ça fait 1205 là. Avec tous les symboles là. En fait, faut additionner tout quoi. C'est un enfer. 102 plus. 103, ça fait 205. Ouais, d'accord, faut vraiment tout additionner. Putain, l'enfer! Ça va être long, ça va être super long. Oh le bazar!
Attends, je prends une photo du truc parce que ça Attends, me, ouais. ça me déprime. Voilà. J'ai une photo. Ouais. Ah, tu l'as la photo là? Vas-y. Alors, 1000 plus 103, ça fait 1103. Oh bah je vais chercher un truc à manger alors. 1203. 1213. 1216. 1316. 1416. 1426. 2426. 3426. Oh, depuis chez vous, Watson, on va pas toute la journée. Non, 3426, monsieur. Bingo. Bon, bravo. Ok, alors. Bravo, Watson. Bon, on enchaîne. la clé. Y a pas un trou de clé, là? Oups. Pour me la pas, la clé. Hein. Elle a un petit joyau sur elle. Ouais. Regarde ça, ça se balance. Je sais pas s'il y a un rapport, mais... Oui, c'est rigolo, mais ça, on n'est pas là pour s'amuser, donc... c'est bon. Un trou de clé. Un trou de clé, un trou de clé. C'est quoi, ça? Ça vient d'où, ça? C'est un morceau de... Tu l'as vu, ça? Oh! Ah, ça se pose! Attends, regarde. Ça pouvait se poser, là? Ah, puis il y a un truc en dessous. Ah bon? Oui, bah non, c'est l'œil, c'est la ouais, forme c'est de l'œil. Eh bah, c'est bien, mais. Il faut trouver l'autre moitié. Ouais, faut trouver l'autre. Et ah, j'ai une gourde. Clé. J'ai une clé, donc forcément. Ça, c'est... Ah, ça, c'est. Ah, ça, c'est des petits indices à récupérer. Ça, les tokens, c'est un carré avec un trou au milieu. Bon. La clé. Qu'est-ce que je fais de la clé? Ça m'énerve. Dans l'eau? Je veux la nettoyer là? Ouais. La clé, la clé, la clé, la clé, putain. Ok, tu leur as demandé un autre indice. Oh non. Non mais attends, je l'ai mise là-dedans. Oh bah, comment on aurait pu deviner ça? De quoi? Regarde. Oh bah pourquoi? Bah vas-y, mets-le. Faut que je mette la statuette dans le trou? Ouais, dans le trou. Mais je vois pas pourquoi, mais d'accord. Elle est où la statuette? C'est, tu l'as dans ta poche? Elle est sur ta ceinture. Ah ouais. C'est cheaté ça, ça mais c'est cheaté. Comment on aurait, comment pourquoi, on aurait pu deviner? Ça c'est cheaté de ouf hein. Et d'ailleurs, pourquoi? Bah elle est toute propre maintenant. Elle a 3 vagues. Elle a 3 vagues maintenant. Et 3 vagues. 3 vagues. Ah mais la clé, putain, regarde! Attends, elle est où la clé? Oh putain! Oh la clé! Ah fait chier, mais c'est évident! Oh putain! Putain. Bah oui, merde! Oh, oh putain! Oh, il y a la deuxième partie, je la pose. Il y a des louis d'or. Hein. Ah, non, c'est le dessus de la pyramide. C'est une petite partie, ça. Je la regarde quand même. Bon, ouais. Au moins... Donc, on a qu'une petite partie, mais prenons quand même ces fins louis d'or. Je compte les pièces, attends. Ok, d'après mes calculs, on est riche. Bah nickel. Maintenant, nous voilà coincés. Ah, j'ai ouvert la gourde. Oh, oh, ça fait un petit... Je vais mettre de l'eau. Oui, vas-y. J'ai de l'eau. T'as de l'eau. Qu'est-ce que je fous avec... J'ai de l'eau maintenant dans la gourde. on va nourrir les plantes. On peut jeter des trucs ici. C'est pour jeter des trucs, ça. C'est une poubelle, oui. Super, j'ai trouvé la poubelle. Nettoyer quelque chose. Nettoyer ou remplir d'eau. Ok, tu demandes un indice. Ouais, bah ouais, c'est la statuette qui est clean, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oups. Non, allez, arrête de demander des indices, on va avoir des malus, putain. Oh, regarde. Oh, tu as trouvé ça où? Bah, je... Ah, attends, parce attends. Que... Prends-le, vas-y. Le petit. Voilà. Vas-y. Il manque un bout. Oh, le bout. Bah, il était par terre. Il était dans un vase qu'on a pété. Il y avait rien là. Mais alors? Pas de double fond. Non.
Il nous manque. Oh, oh regarde. Quoi? Il y a un truc là. Un token. Mais non, mais ça c'est des. C'est des trucs de merde. Ça reste un. Attends, oui, c'est. Attends, c'est une plaque de pression ça. Bah, il y avait un token en dessous, c'est tout. Oui, mais t'es... regarde, il y a une plaque de pression qui bouge. Elle fait quoi quand. Bah, il y avait un token avant en après. Attends, bouge la plaque de pression, je regarde s'il y a un truc qui bouge. Pour moi, c'était juste le token. T'es sûr? Je pense. Faut regarder si le petit bout, on l'a pas laissé tomber quelque part parce que. Oh, à non. mon avis, c'est possible. Est-ce que sur les murs, il n'y a pas une plaque qui bouge? On n'a pas utilisé l'eau? Non. De la gourde? Non, non. C'est curieux. On n'a pas non plus T'es utilisé curieux, c'est de cette. pas trouver le bout. On n'a pas utilisé la pelle non plus. Putain, mais la statuette là, j'en fais quoi? Je la pose? Ah non, je peux pas. Bizarre. Merde. 3 minutes 37. Allez. Trouve. Vas-y, trouve. Un chien? Non, mais trouve. Ouais, c'est vrai que c'est marrant à bouger ça. Je mets tout à la poubelle. Putain, mais qu'est-ce que. L'appel, peut-être que je devrais creuser? Un truc? Bah, j'ai essayé de creuser, mais j'y arrive pas. J'ai. Bon, ça sert à pas grand-chose, mais Putain, ça va, t'as j'ai trouvé un écarté token, des. quoi. J'ai écarté des pierres pour avoir un token. Putain, mais c'est pas possible. Ça, c'est pour. Les vases, ils bougent, ça m'énerve. Des truelles, là, je peux rien faire avec. Ce livre, regarde le livre que j'ai dans les mains. Oh, et ça On va fait devoir référence à quoi? déchiffrer des hiéroglyphes en moins de 2 minutes. T'es prêt? Mais lesquels? Oh Au putain! courant qu'il y en a Non non mais non pas ceux-là, c'est non non impossible, c'est non, impossible. pitié non. Non, c'est sûr que non. De toute façon, peu importe puisque je le ferai pas. Donc Ça voilà. peut pas être ça, c'est impossible. Et pourtant, ça ressemble vachement aux dessins qui sont sur le mur. Genre là-haut là, ça. Sérieux? J'ai pas trouvé le serpent. Le monsieur qui caresse le mur. Bon, il y est pas, donc c'est bon. Ok, c'est bon. 1 minute 37. Par contre, ça sert à quoi? Parce que putain. Mais de toute façon, il nous manque qu'un petit bout de pyramide, je pense, hein. En soi, faut trouver où il Oui, est, mais mais. on fait quoi du sphinx de merde? 1 minute 20. Oh, ok, je Faut vais ranger. vérifier sous. Ouais, faut ranger. Deux vagues. On a fait quoi du sphinx doré? Je l'ai là. Il y avait trois vagues sur le sphinx doré. Il y a trois vagues sur le 5 Trois vagues, doré, ça veut oui. dire. Trois vagues, ça veut dire water! Faut que je mette de l'eau dessus, c'est comme dans le cinquième élément. Mais de l'eau Regarde. dessus! Ah. Water. Faut la mettre dans l'eau! Oh. Oh! Vite! Attention, c'est peut-être un piège celle-ci! Oh putain! En Oh, fait, on on est a 24 trop con! secondes. En fait, on est trop con! Merde! Non, non, mais Faut ce n'est pas passer possible. par le sphinx, enfin, le connard. Attends. On passe par le Attends. connard. Ensuite, on passe par. L'enculé. Et puis demi-tour par le gros Enculé. con. La saloperie. Et ensuite, par.
le carré et ensuite par le cactus. Carré, cactus. Et ensuite, on ouvre celle-ci. Oh non, c'est fini. Oh putain, ça recommence. Ouais, mais on commence par où? Ah bah par celui qui fonctionne. Bah en fait, il faut juste trouver celui qui fonctionne. Putain. Genre, l'œil, il marche pas. Le... J'essaye le scarabée. J'essaye le chat. Scarabée, marche pas. Le moustique. Le chat, il marche pas. Le moustique, il marche. C'est le moustique. Ah non, il marche pas, l'enculé. Si, il marche, c'est bon. Attends. Si, si, il marche, c'est le moustique. Le moustique, ça veut dire abeille. Quoi? Bah oui. Dans mon livre, il y a... Je m'en bats les couilles. Ouais. C'est une guêpe. Ok. Bon, bah, c'en est. Bon, en tout cas, ça marche. Mais on s'en branle, ça veut dire quoi? On doit la sélectionner. Ah, mais regarde, bille, c'est un pied, et après c'est deux bras, si tu regardes le dictionnaire, pour faire B, E, E. Okay, c'est un pied vers la gauche, et un bras vers la gauche. T'as vu un bras, toi, là? Alors, c'est quoi cette merde? Ah non, BJT, en égyptien. Donc B, serpent, pied vers la gauche, serpent. Et après, et ensuite un petit dôme, un petit bol inversé. Oui. Bingo. Oh putain. Oh, je peux dire que si on avait su qu'il fallait mettre la statue dans l'eau, ça aurait été vite vu. Hein. Mais pourquoi... Mais... D'accord, putain. Mais pourquoi j'ai rempli ma gourde? Pour rien. T'as vraiment pu la remplir? Mais oui, il y a une animation de gourde remplie. Ah bah pour rien. Mec, j'ai pris la gourde, je l'ai dévissée, je l'ai remplie. Putain, tu sais que si on a, quand j'ai dit trois vagues, si on avait fait le lien avec de l'eau, on aurait explosé cette room. Hein. Putain. T'es con. Pour boire parce qu'il fait chaud. Vous êtes des connards, voilà. C'est tout. De con. Next épisode. Et cette fois-ci, on les fait dans les temps. Alors, une satanée boussole qu'on peut ouvrir, elle indique... Une... Bah... T'as fini de tout péter? Ouvre, je m'occupe de ça. Allô, la poubelle? Oh merde, c'est pas là. Ouah, des rouleaux. Ouah, des rouleaux avec des signes. Oh, des putains de papyrus de merde. Il y a des putains de papyrus de merde. Tiens, je l'offense à la culture, voilà, égyptienne. Évidemment. Ah, ça, on peut placer les vases, regarde. Hop. Voilà. Hop. Voilà. D'accord, mais ça... Je peux pas ouvrir cette caisse. Hop. Voilà. Bah, ouvrez le... Ouvre-toi. Non. Mais c'est encore d'autres papyrus. Non, j'en peux plus. Il y en a combien? Là, il y a un... Il y en a trop. Il y a toute une collection. Il y a tous les tomes. Oh, les boules. Pardon. Il y a des boules. Ouais, avec des symboles. Boules, et elles correspondent... Est-ce qu'il y a un hibou, un serpent et une vague? Eh bien, regarde. Dans les papyrus, ces signes se retrouvent ici. Y a-t-il un papyrus qui mentionne... Non. Et celui-ci? Les deux papyrus... Je crois que les papyrus sont inutiles. J'ai l'impression que c'est que des dessins. C'est de la merde. Mais ils ont pris la peine de dessiner des trucs, quoi. Ah, en plus, il y a 4 papyrus. Oh, c'est quoi, ça? C'est... Non, il y en a plus que ça. T'as vu? Quoi? Tu vois ce que je fais ou pas? Tu peux le voir? Non. Ça, là. En bas. Ici. Ouais. Oh. Ah, si, je vois ce que tu fais. Ah. Eh. Oh. Eh. Ah. Oh, je vois pas ce que tu fais. Le but, c'est que tout soit vert. Ah. Ah, ça bug, là. Le but, c'est que tout soit vert. D'accord.
ça galère un peu. Attends, ça doit pas être si compliqué que ça. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Oh putain. Mets-toi, hein. Oh putain, on va perdre la room là-dessus. Oh putain de merde. C'est bon, oh. C'est bien clean, hein. Bien joué. C'est impossible. Ça m'a l'air technique, en tout cas. Très technique. C'est bon, tu y arrives ? Parce que moi, c'est technique aussi, hein. Oh ! Ramène les boules ! Pardon. On va faire des équivalences. Pour savoir à quoi ça correspond. Un serpent. T'as le serpent. Un serpent vaut. Est égal à. Oh ma boule. Un serpent est égal. Oh là. Ça c'est 5. Donc c'est pas ça. C'est trop léger. 1, 2. Ok. Ah. Ah c'est chiant parce que. C'est entre 5. Le serpent est plus lourd. C'est moins de 5. Mais c'est plus de 3. Donc c'est 4. Vague. Il a vraiment mis ça en mode énigme pendant longtemps, genre. C'est moins de 5, mais c'est aussi plus de 4. Ah, c'est moins de 5. Attends, pourquoi il y a... Mais casse-toi le serpent. Attends, on a fait le serpent, oui. Donc, la vague, c'est... Ouais, c'est pas 5. Ah, ah. C'est 2. Ma vague, c'est 2. Ok, 2 hibou. Oups. Oh, non, pardon. J'arrête tout de suite. J'essaye d'enlever le... T'arrêtes ? Voilà. C'est bon. Hibou. Wow. Pas la terre, celle-ci. 1... Ah, c'est trop, c'est combien, c'est ça? C'est 6. Bingo, ah, la tête d'Anubis. De ta... Attends, mais quelle tête correspond à quoi? Par exemple, là c'est les poumons, le foie... Qu'est-ce que tu là, racontes? Là c'est un steak haché, hein, c'est ni plus ni moins qu'un steak. Qu'est-ce que tu racontes? Et ça c'est quoi? C'est les intestins. En fait... Oh, t'as vraiment pas étudié, c'est un truc de ouf. À l'époque de l'Égypte ancienne, chaque dieu correspondait à des organes précis. Ah ouais, mais on s'en bat les couilles. Bah non, il faut qu'ils correspondent. Ah. Ah tiens, si tu voulais ouvrir, regarde. Carré, bâton droite et en bas. Attends, c'est où? Carré. Oh, carré. Moi je prends une photo de ça. Alors. Je suis pas né de la dernière pluie, je sais qu'il faut prendre une photo de ça. Mais comment je vais faire? Parce que là, ça va forcément s'activer. Alors? Fais-moi le Alors malin. Déjà hein. Que le schéma est... Allez, dis-moi, appelle-moi quand tu auras besoin de mon aide. Oh putain. Anubis, tu veux une pelle? Il veut un sceptre. Prends ma pelle. Ah, il en veut pas. Attends. Putain, les sacrés boutons. Vous avez vu les sacrés boutons? Ah, c'est allumé sur le côté aussi, là, en fait. C'est pas allumé... Ah, du coup, tu tiens mal à la tablette, on voit mal. Ok, c'est un L gigantesque avec un carré, en fait. Il m'a appelé du con. J'étais en train de faire un autre truc. Génial. Mais je suis génial. Pendant le mec. Je suis génial. Attends, bah, t'as trouvé quoi? Ah, c'est le cœur. C'est quoi? Hurt. T'as pas le jeu en français? Non. D'accord. C'est ça le cœur? Et on le met où le cœur? C'est le steak le cœur. Ah, hein. Il le veut. Et maintenant il lui faut son sceptre. Oh, mais il nous emmerde, bah attends, j'arrive. J'ai essayé de lui donner une pelle, mais il en veut pas. Alors. Carré, L. Bah c'est la même chose en fait. Bah attends, c'est le même dessin. Attends, c'est tout à fait similaire.
Vous avez fait ça pour rien? Vous pensez qu'il y en aurait d'autres à faire? Très similaire. 7 minutes 25, donc tu commences à t'activer, s'il te plaît. Oh putain. Eh, hey, regarde! T'avais vu ça ou pas? Le dessin, là. Quoi? La jarre avec le truc. C'est-à-dire qu'à droite, il faut ce truc, là? Cette espèce de... Comment on appelle ça? C'est pas une... Du jarret de porc. Une serpe. J'ai un souvenir lointain d'une serpe. Franchement, moi, je vois pas ce que c'est. Hein. Une... Eh, on n'a pas la clé qui ouvre le petit coffre. Non. Et ça nous aurait bien aidé de l'avoir, je pense. C'est une plume. Ouais, vous n'y connaissez rien. Il y avait deux plumes dans ce sarcophage marqué, mais à mon avis, c'est juste que... Est-ce qu'on doit lire les papyrus? Pitié, non. Espérons que non. Oh! Ce... Alors, ce papyrus-là montre autre chose. Attends. En fait, tous les papyrus ont des trucs différents. Je te l'ai dit tout à l'heure. Bah non, moi j'en ai eu deux d'affilée qui étaient pareils. Ah non, moi je t'ai dit, ils sont tous différents. Je t'ai dit, pourquoi ils sont fait chier à faire tous différents? Ah bah là, les deux que je viens de prendre sont pas les mêmes. Je sais. Enfin, sont les mêmes, pardon. Oui, d'accord, celui-là est différent. D'accord. Ken. Et non pas Tolkien, que vous verrez vendredi. Je suis génial. T'as fait quoi? J'ai vu qu'il y avait une faille sur les... Oh ah ah. Partout à Tis. Oh. Alors... Lion... Mais y a rien dedans. Lion et... Scarabée. Scarabée. Double plume. Attends, Lion... Arrête. Scarabée. Ok. Quoi? Hop. La tête. Ça après, les têtes, elles correspondent. Hein. Mais tu sais quoi? Faut lire les papyrus, j'en suis sûr. Alors, lui... Ah non, j'en sais rien, en fait. T'en sais rien, j'ai l'impression. Bah, j'ai trouvé un token. Allez, hop. Allez, hop, voilà, c'est fini. Voilà. Ouais, non, ça m'aide pas, ça, en fait. Ça me dit pas quel organe ils prennent, en fait. Comment on sait les organes? C'est con, là. Attends, ça, c'est fait. Les organes. Il nous reste combien de temps? 4 minutes 40? Les putains d'organes. En fait, là, on a ouvert ce sarcophage. Mais t'as le quatrième truc? Ou t'as rien sur toi? Non, j'ai rien sur moi, là. Donc, il nous en manque un. Qui doit être ici, mais il nous faut une clé. En vrai, là, on a tout fait sauf le petit coffre et ça, ouais, qu'on n'a pas terminé. Où est-ce qu'elle est, la putain de clé? Et on n'a pas pris d'indice depuis le début et ça, c'est génial. On est assez géniaux jusqu'à ce qu'on cherche une clé, quoi. Parce que là, moi, j'ai une boussole, mais je vois pas à quoi elle sert. Elle m'indique par là. Attends, t'as une boussole, c'est génial ça. C'est génial, hein. Ça sert à rien. Ça va nous aider, ça. Ah putain. Bon, pour l'instant, tout de suite, ça nous aidera pas, mais... C'est un... Oh, il y avait une clé dans ce putain de parchemin qui était ici. Putain. Mais comment... Pourquoi? Oh, il y a aussi de l'argent, mais on verra plus tard. Oh putain, les louis d'or. À moi, la belle coupe. Bon, par contre, à quoi correspond quoi? Je sais pas, je compte les pièces. Baboon. Baboon, ça va. Ça va. Réfléchissons. Un chien, un faucon, un baboon, un humain. L'humain, ce serait quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est les intestins. Et les parchemins, ils intestins. C'est un foie? Des poumons? Le cœur? Ouais, ils indiquent pas, putain. Le cœur, c'est l'homme. Car il a
Bon cœur. Le chien, il mange. C'est un estomac sur pattes, c'est l'intestin. Il ne pense qu'à manger, il est bête. Le singe est malin. Il est. Et le faucon. Il respire bien, le faucon. Ah, mais on est trop con, regarde, on voit le sens des têtes. Il doit être centré à tous les coups. Ah non. Je me suis dit, ils vont tous regarder dans une direction. Estomac, pas cœur. Oui, eh bien l'homme a bon cœur quand même. Ça ne fâche rien. Mais attends, alors, mais comment attends. Mais alors. Les parchemins ne nous disent rien là-dessus. Hein. C'est une énigme. Il reste 1 minute 40. On est sur le point d'y arriver, je le sens. La jarre après, est mal posée. C'est nous qui avons posé des jarres comme ça, mais en fait, on aurait pu... Parce que si ça se trouve, il faut qu'elle regarde toutes. Tu vois, genre... Mais non, en fait, regarde pas. Ouais, c'est compliqué de faire ça. Dans tous les cas... Chaque jarre est pareil. Ah, il peut se tourner. T'as réussi à le tourner. Comment ça a fait? Oui, le chien, là, ça s'est tourné. Bah, je sais pas, mais je pense pas que... L'inclinaison change rien, du coup. Est-ce qu'elle devrait tout regarder vers le nord? C'est pas un truc en rapport avec l'Égypte? Le nord, c'est par là. Ben alors là, y'en a aucune qui regarde dans le bon sens, là. Comment je peux le tourner? Je peux pas le tourner. Putain, on va encore perdre. Merde. Vas-y. Cerveau en éruption. Je vais lire les livres. Il faut s'inspirer des écrits. Le chien... Ça ne m'aide pas. Là, c'est le hibou, mais il a rien de spécial. Il est en train de naviguer. Momifie l'homme. T'occupes. Là, j'ai un dog, là, mais il est en train de se rebarrer en bateau, c'est tout. L'homme... jure fidélité au marié. Sous l'œil d'Horus. 0 seconde. T'es mort. Putain. On est enterré vivant. Non. Le chien prend le bateau avec le faucon. Les hommes momifient. Les hommes sont fous. Le pharaon. Les hommes sont fous. Oh, l'homme, le faucon et le chien vont en vacances. Bon bah voilà, j'ai rien trouvé. J'ai dû le casser ça. On va quand même pas appuyer sur l'indice. Ah, j'ai eu un succès pour ce que tu fais. Ouais, bah ça me fait plaisir. Ah tiens, y'a un truc ici. Oh mince, putain, c'est un indice. Bon bah je le regarde. C'est quoi? Y'a un truc caché sur le côté de la machine à sous. Pourquoi on a... Comment on a pas pu voir ça? Bah ouais, bah forcément. C'est bon. Mais ouais, mais bon. Les poumons étaient gardés par Happy, le babouin. Oh non, non. Putain! Oh, si on avait trouvé ça, c'était bon! Chaque fois, je pète tes plombs s'il manquait que ça pour terminer. Hein. Chaque fois, ça se joue. T'es en train de manger? Non. T'es pas impliqué! Tu manges, t'es là, mais tu manges. Mais tu c'est vois trop tard! Tu vois, c'est trop tard, c'est zéro là! T'as abandonné, nul. Tu nous as enterrés ici. Tout ce qu'on fait, c'est pour rien!
Donne-moi le baboon. Le jacal. Chacal. Avec l'estomac, le chacal. Voilà. Et l'homme. Le foie. Ouvre-toi. Bah c'est bon là maintenant. Bon, après il y a des directions. Pff, chier. Le babouin doit regarder vers le nord. Ce n'est absolument pas ce qu'il est en train de faire. Mais comment on fait pour le faire regarder sur le... En fonction de la jarre où on le met, il va regarder le nord. Ah ouais. Regarde, remets-le. Non, remets-le. J'ai l'impression qu'il s'est tourné. Ah non, il s'est pas vite tourné fait, hein. En fait. Non, faut vraiment faire ça. Non mais c'est trop border de le faire glisser pour qu'il tourne. Ça paraît genre impossible. Enfin, chiant. Ouais, c'est bizarre hein, cette histoire. C'est bizarre là. Je pense que vous êtes trompé. Quoi? Alors quoi? Il a mal lu? Les intestins, c'est le faucon. C'est bon? Ouais. Ah mais attends. Chaque point est un point cardinal. Baboon to the north. Comment t'as la référence de où ils doivent regarder? Non, je m'en fous de où ils regardent. Il faut juste placer les vases. Le non, chacal. Mais d'accord, mais où est-ce que tu vois? Le chacal est à l'est. Bah regarde. L'est, c'est là. Non, je sais, mais où est-ce que tu vois la référence de. Le chacal à l'est, le babouin au nord? Ah bah sur le papier. Quel papier? Le papier que t'avais. La note qu'on a trouvée. Ils le disent? L'humain. Regarde. Ah oui, The West. Attends, c'est où l'ouest? C'est là-bas? Alors. J'en ai ras le cul. Putain! Bah forcément, bah oui, on l'a pas vu ouais. Votre papier! Bah ouais, non, c'est pas la peine de faire la fête, hein. Y'a rien à célébrer. Hein. Putain! Vous êtes mort, je vous le rappelle. Hein. On est maudit par l'Egypte. On se dandine là, voilà. Non mais là si, ouais non, mais on est de plus en plus foutus. Bon bah j'en mange pour la peine. De plus en plus dur, hein. Et l'autre s'empiffre. Pas de temps à perdre, on pète tous les... Merde. On pète tous les vases. T'es au courant que c'est moi qui nettoie quand tu fais ça? Ah ouais? Putain. Oh, y'en a une bonne flopée des vases là. Non, tu m'emmerdes, va te faire enculer, je vais pas tous les nettoyer là. Allez-y, Watson, nettoyez, je regarde la suite des éléments. J'ai trouvé. La clé de voûte d'Osiris. T'as trouvé ça où? Dans un vase que j'ai cassé. Mais là-dedans? Non, j'ai pas envie. Super. Mais là-dedans? Non, je n'ai pas d'interaction avec cet objet. Il y a des codes tout autour de ce coffre. Putain, t'as pété trop de trucs. Oh! Token. Une cuillère. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit carnet des conserves? Baked beans. Baked beans. Oh, une radio. Je l'active. Oh. Ah. Token. Faudra trouver la bonne fréquence. Attends, mais c'est quoi cet objet? C'est une pyramide dans laquelle il y a des gougouttes. Ah ouais? Ah, il y en avait pas. Trois gougouttes gélatineuses. D'accord.
Attends, il y a aussi un token. Lui sur ses... Il a un trait rouge ici, mais alors lui, il a un trait rouge ici. C'est à ne plus rien comprendre. Et là, il y a des couleurs. Et là, il y a des roues. Chier. Eh ben regarde. Ah, peut-être que c'est de la coop. Moi, je baisse à 4. Et toi, tu baisses à 2. Baisse ici. Et moi, je baisse là. Oh! N'en bois pas, c'est maudit. Attends, mais la cuillère. Mais prends la cuillère. C'est une louche de valve. Ah, c'est pour faire chauffer les haricots. Regarde. Oh, c'est malin. Comme ça, ils seront chauds. Oui, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Ça nous donne rien, ça. Putain. T'as pas un pied de biche, là? Non. Oh, ça doit ouvrir le coffre. Allez, hop. Bingo. Allez, hop. Une blague? Y'a rien. Même pas un token. T'as pas vu ces joyaux quelque part là? J'avais pas fait attention. Ah! Ça c'est des gougouttes avec les pyramides là. Il y a plusieurs gougouttes. Petit, en fonction de la taille. Regarde, on peut mettre de la petite au plus grande. Il y a combien de gougouttes par pyramide? Là il y en a 7. En fonction de leur taille. Il y en a 7 dans celle-ci. 7 dans la petite? Ouais. Combien dans la moyenne? Il y en a... Oh là, c'est en 3D, putain. Faire gaffe. 2, 4, 6, 8. Petite. Je dirais qu'il y en a 8 dans la moyenne. 8 dans la moyenne. Et la grande? 3. Bah t'as les yeux. La ferme. 3. 7, 8, 3. Un artefact doré. Qui peut se combiner peut-être à ça. On va le rendre sacré. Ah oui, je peux. C'est une offrande. Il nous en faut d'autres. Batteur des haricots. Oh merde, il s'en fout. Il aime pas les haricots. Ah, on va foutre. Eh tiens. Et... C'est il y a un truc entouré. Ce sont les mêmes symboles. C'est entouré. Genre on dirait qu'il nous donne la solution sur les coffres. Peut-être. Ça correspond à oiseau. Ça c'est bon. Bol correspond à lion. Et il m'en manque un. Il y a un autre coffre là. Il y a rien dessus. Hibou pied. Bingo. La clé maudite. C'est pas l'impression que ce soit une offrande ça. On dirait plus un truc qui va me servir peut-être à ouvrir. Peut-être le coffre là. Salaud. Bah. Là alors. Ah ouais, c'est bon. Une offrande. Offrande. Accepte cette offrande. Ok, alors on a deux bleus. Tiens, vas-y, va faire. Deux bleus, trois rouges, cinq blancs. Ah, peut-être daltonien, merde. Merde, on est foutu. Oh, une offrande. Accepte cette offrande. Baked beans. Mais attends, on est... C'est tout. Il accepte cette offrande, mais il s'en bat les couilles. Attends, bah... ça aurait été marrant que je prenne tous les trucs de couleur et que je les envoie pêtre comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que là, il nous reste que ce coffre-ci et j'ai aucune idée de comment on l'ouvre. On a un peu fait le tour, hein. Qu'est-ce qu'il nous manque? Bah, on a tout fait, hein. Il nous manque une clé, mais il nous manque la radio. Tout ça? La radio... Tout ça, on l'a fait. La radio. Ah! T'as du morse? Ah! Non, c'est de la musique. Ah ouais, c'est sûrement pas du morse ou une énigme, la musique est sympa. Ah mais de toute façon on a un petit carnet avec marqué tous les objets qu'il nous faut. Et il nous manque la tête du bélier là je crois.
Oh, je peux pas forcer le coffre là avec un. Ouais. Combien de temps il nous reste? 7 minutes 46? Bon, on a déjà bien avancé. Ouais, enfin, faut se dépêcher, mais. Bah non, il ne reste qu'un truc, j'ai l'impression. Putain. J'espère que c'est pas une connerie de petites clés égarées. Hein. Eh, tu sais quoi? Faut nettoyer. Hein. Oh non. Ce carnet là. Ah oui, bah oui, c'est le carnet. J'avais pas vu quoi. c'est pratique. Regarde, prends ce carnet et appuie sur l'épingle là. C'est plus pratique pour faire les énigmes en fait. Ah merde, putain. Ça marche bien. Hein. Ouais, voilà pourquoi on aurait peut-être dû suivre le tuto. Ah, c'est moins marrant de ramasser, hein. Bah voilà. Non, mais ça sert à rien, ça sert à rien, putain. Et si, parce que si ça se trouve, la clé, elle est quelque part, dans tous les débris. Mais non, mais non, mais non. Une chambre rangée est un esprit tranquille. On va mourir ici, tout ce qu'on aura fait, c'est ranger. Oh non, hein. Non, non. Moi je. Oh bah t'as tout cassé, t'as tout cassé. Non, hein. Non, moi je. C'est vrai que t'en as dit la saloperie. Je viens de trouver un truc sympa, saloperie. Voilà, tu casses les couilles, voilà pourquoi. Putain. Une gemme. Une gemme. Mais elle ressemble à quoi? C'est un carré? Regarde. Voilà. Ouais. C'est pour où ça se met, moi. C'est le truc qui était dans le coffre. Ah merde. Ah, tu continues de nettoyer tes merdes. Oh non. Merde. Non. Non. Pas plus de temps à ranger là. Mais putain, mais on va pas ranger quand même. On s'emmerde. C'est un truc de ouf. Moi, quand on a fini le unboxing à Webedia. T'as trouvé. Token. Toi là, on a l'esprit plus tranquille. On sait qu'il n'y a pas de petite clé cachée dans les débris. Mais trouve. Putain. Mais trouve. C'est toi qui trouves pas là. Cette maudite clé! Je peux pas tout trouver non plus, hein! Trouve! J'ai trouvé bien assez de choses, je trouve! Ah! Ah, c'est vachement mieux rangé maintenant! Alors! Oh! Oh! Ça a popé ça! J'ai appuyé sur une manette, ça a ouvert un truc! Tu vois, ça aurait pas été possible si tout n'avait pas été rangé. Ça n'a servi à rien de ranger. Attention à la lave! Oh putain. Oh putain. Oh, oh la putain. Vache. Oh, reculez. Mais là, on a explosé là, des records là. Là, franchement, on trouvait le truc dans le coffre, on explosait le record. Et je me suis permis de ranger. C'est pour vous dire. Le mec range avant de partir quoi. Alors, on est bon hein. Forcément, ça impressionne. Je sais. Et pourtant, j'ai rien dans l'estomac. Hein. Contrairement à d'autres. Et c'est pas fini. Ouais, celle-là, y'a aucune hésitation, y'a aucun. C'est bon. Oh putain, compliqué. Hein. Oh, oh la vache. Oh la vache, celle-ci. Celle-ci, elle est gratinée. Oh putain, le beurre de micelle. Oh. Oh. D'abord chien, orange. Oiseau, oiseau, chien. Il y avait un token sur le scarabée. T'y crois ça?
Quoi? Homme, chien, oiseau. Homme. On commence. Homme, chien, oiseau. Ouais. Ah non, mais il y en a deux qui sont éclairés au même moment en fait. Regarde, bah on ouais. commence. Bah ouais. Homme, chien, homme, oiseau, oiseau, homme, chien. Qu'est-ce que je m'en fous? Oscarbé. Homme. J'ai déjà oublié. Homme. Chien. Ça, faut le placer là. Ah non, j'ai compris. C'est on sûr recommence. Je... Homme. Pourquoi? Chien. Homme oiseau. Oiseau. Homme chien. Mais c'est sûr qu'il faut le mettre là. Il se fout de ma gueule. Homme. Chien. Ouais, il se fout de ma gueule. Hein. Non, je me suis trompé. On recommence. Oh là là, la mémoire. L'histoire homme, du chameau malchanceux. Oiseau. Le chameau boit dans l'oasis quand le soleil est au zénith. Pendant que le scorpion se cache dans la pyramide. Le chameau dort près de la pyramide quand le soleil se lève et le scorpion est à l'oasis. Pendant que tu racontais ton poème de connard, le chameau j'ai résolu l'énigme. Est mordu par le scorpion sur les dunes de sable quand le soleil se... Ah merde, se lève. Donc se couche. J'ai récupéré une sphère noire que je dois poser certainement, j'en sais rien. Tout lui dire. T'as dit quoi? Ah, je suis en train de bosser sur l'énigme. Regarde, hey, ce triangle à tes pieds là, il va évidemment dans le dernier truc. Pourquoi on peut pas? C'est ce qu'on aurait pu penser. Pas la peine de tout casser. Hein. Et pourquoi il y a une boule bleue là? Ah bah vas-y, mets-la. Bah ouais. Un vent, deux vents, trois vents, quatre vents. Le ch- alors, bon. Le chameau. At- alors, le. Ah, on peut prendre, on peut prendre, on peut prendre les tibias et tout de. Oh putain. T'as niqué de mort là. Alors, l'histoire du chameau malchanceux. Le chameau boit à l'oasis. Arrête. Attends. Je regarde ce que ça fait rien. Non mais regarde, le chameau. Alors quand le soleil est au zénith, donc là on est au zénith. Le chameau boit. Pourquoi j'arrive pas à bou. Oh. Le scorpion est dans la pyramide, mais. Comment bouger avec le soleil? Ah, le soleil, t'as bougé le soleil! Comment t'as bougé le soleil? Ah, bah oui, avec ah, ce bouton. C'est le symbole du milieu. Mais en fait, c'est bon, vas-y, j'avais pas compris qu'il y avait le soleil qu'on pouvait bouger. Et bah là, le scorpion, il va là, et le soleil, il va là. Voilà. Le chameau. Ah, l'oasis. C'est à droite, l'oasis. Oui, c'est à droite. Ça a fait un bruit là. Oui, ça a sorti une flèche à la gauche. Ok, le chameau dort à côté de la pyramide quand le soleil se couche. C'est le matin ça. Et le scorpion est à l'oasis. Vas-y, dis-moi l'histoire, je fais la suite. Le chameau. Oui. Est mordu par le scorpion aux dunes de sable quand le soleil se lève. Okay. La belle boule. Et enfin. Et là le problème c'est que je peux pas mettre ce. Pourquoi je peux pas le mettre le triangle? On peut tourner.
Mais on ne peut pas. C'est bizarre qu'il nous manque pas. Ou alors ? Mais c'est bien sûr ! Non. Merde. Putain, le schéma au-dessus, là, je comprends rien. Attends. Le problème, c'est que vu que celui-là est en biais, ça fausse tout ce que je pensais. Attends. Le quatrième, c'est celui où il y a un pied. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Pied. Et truc comme ça et carré. Ok. Donc. Le premier. Sur le dessin en haut à gauche. Attends, j'enlève ça. Correspond à celui-ci. Ça nous dit. Et il est relié au quatrième ici. Et donc le troisième symbole. Et le quatrième symbole qu'on n'avait pas. Attends, pied, carré, pied. Il y a deux pieds. Donc c'est pied. Faut trouver le symbole manquant à chaque fois là-haut. J'ai rien compris. En gros, tu vois, on regarde le deuxième là-haut. Là. Tu vois, celui-là, là. Le deuxième, tout en haut. Hein. Ouais. Il a un carré, une plume et une dune de sable. Oui. Là, on a une dune c'est de sable. C'est très joliment dit, oui. Mais on a que la dune de sable, on n'a pas les autres. Là, on a la dune de sable. Ah, bah là, ça doit être celui qui est tombé. Oui, voilà. Carré, dune de sable, plume. Et le quatrième, c'est un fil de laine. Ok, on chope celui qui est manquant à chaque fois. Voilà. Et donc, fil de laine. Voilà. Alors, et t'as fait le premier ou pas ? Oui. Ok, donc là, on a un troisième. Alors. Ça, il nous le faut. Je fais le quatrième. Le hibou ou le lion ? J'ai le hibou, est-ce qu'il y a le lion ici ? Non. Bah, pied, s'il n'y a pas le lion ici, je suppose qu'il y a juste à se dire que... Hibou. Voilà. Ok. Maintenant, quelle couleur correspond à quelle... C'est un mastermind ! Ah, c'est comme le jeu Harry Potter ! Redire la rouge ? Attends, tu vois ? C'est la puissance du vent, mais en fonction du poids des boules. Ah. La bleue se lève un peu. La rouge est très lourde. La rouge est très lourde, donc elle a besoin de beaucoup de vent. Ça, c'est bon. Quelle est la bleue, elle galère un peu. Vas-y, échange avec la jaune. Ouais. Bah, c'est bon. Allez, hop. Ouais. En vrai, bingo bueno. Je trouve qu'on est pour des youtubeurs, on est extrêmement intelligent, très qualifié, instruit, intellectuel. Et sexy, mais ça n'a rien à voir avec les autres qualités précédentes. Et en plus. Ouais, bah ça, et ça va être du menu fretin, je dirais. Ah, celui du centre bouge aussi. OK. Ouais, on a trois niveaux qui se bougent. Il faut que le scarabée. Galère, ah oui. Ok. Donc là, on peut laisser comme ça pour l'instant, voir ce que ça donne. Ah, il y a un double. Ah, mais là, il y a un double qui est relié à rien. Ouais, mais c'est peut-être normal. Parce qu'on n'a pas deux doubles. Il faut que les trois ils puissent. Ouais. Venir au centre. Du coup, on tente un autre premier. Déjà. Vas-y. Est-ce que si on fait ça, ça marche aussi ? Non, là, ça marche pas. Et si on fait ça, ça peut marcher ? Ça peut marcher, là, comme ça. C'est pas très aligné, mais... Ah. Là, c'est... Là, c'est aligné, là. Voilà. Waouh ! J'ai eu un truc... Pour des youtubeurs, vous êtes classique. Vous faites des OP et vous en avez rien à battre des gens modestes. Chapeau, chapeau. Oh putain, c'est le meilleur message de l'année avec ce chapeau, chapeau pour le couronner. Le chapeau, chapeau était bien comme ponctuation.
On galère là, non? C'est un peu chiant. On est d'accord que les trois doivent arriver au centre. Bah, ça aurait été logique, ouais. C'est Mais. presque bon parce qu'en fait là j'en ai. Ah non. Ah merde, mais putain, pourquoi ils sont pas alignés sur la première? Bah, il y a moyen de les aligner, genre je pense à un moment donné. Logiquement. Là, ah là ils ils sont sont tous alignés. alignés. Oh Oh. oui! Bah ouais. Ouah! Bah ouais, bah. Oh putain, Ouah! l'échelle! Oh bah alors là. Alors là. Excusez-moi, mais je, là je. Voilà, les Bah gens, là, j'ai envie de les dire gens chapeau, chapeau. modestes. Les gens modestes, alors là je reconnais chapeau chapeau qu'on est un peu plus. Voilà, on est dans une autre catégorie là quand même. Hein. J'ai même pas regardé le chrono. Ouais, moi non plus, mais là. Vu qu'on a la coupe, je pense que c'est Oh! gagné. On a fini, il nous restait 3:37 encore. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Comment? Quand on a fini, comment on va au suivant? Il y a peut-être moyen qu'on doive retourner dans le menu. Là, c'était le niveau final? Peut-être l'avant-dernier? C'était l'avant-dernier. Là, on fait le dernier. Oh putain. Oh putain. Eh ben. On a une statue pyramide ici. Ça c'est un briquet où je m'y connais pas. Oh. Ok, je peux faire du feu. Je peux cramer quoi? Cramer ta mère. Tiens, c'était un petit papier sur le côté. C'est allumé. Ah. C'est bon, ne me Ça. remercie pas. J'ai allumé le dernier feu manquant. Ah, Ah bah c'était nickel. juste pour récupérer ça. On a deux statues de pyramide. Je suis content de ça. Elle est là et l'autre elle est là. On a une gourde. On a une statuette. Il faut juste faire de la barbe à papa Regarde avec comment je fais ce chauffer la. vache. La vache, comment ça chauffe! Oh, regarde dans le chapeau. Bah voilà, à l'intérieur du chapeau. Bah quoi? Y a rien, chapeau, chapeau. Pas mal! Nice! Ah ouais, et dans la gourde? Je peux la remplir. On a plus d'eau malheureusement. Ah, d'accord. Du coup, on fait. T'es en train de faire. Tu veux tous les allumer, c'est ça? Je peux allumer celui-là ou pas? Bah, en fait, j'essaie de faire le dessin en bas, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas très clair. Ouais, je peux l'allumer. Je suis pas satisfait là. Ah moi j'aurais pas dit que c'était ça hein. Ouais, je sais. Alors. C'est pas exactement ça. Exactement. Si c'est par là. Ensuite c'est en diagonale. Ouais, mais bon. Ouais. Ouais. Oh non. Oh t'es trop gourmand là. Ouais, mais l'autre elle est vachement éloignée quand même. Hein. Non, regarde. Vas-y, vas-y. Oui, bah Ouais, ça et va c'est marcher, hein, en mais bon. diagonale. Je suis bien d'accord, mais j'aime pas trop. Et voilà. Quoi? Hein? Bon, je Super! suppose qu'on a commencé le rituel. Oh, j'avais pas vu que le timer il était là-bas. Oh. Par contre, on en est où là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vas t'asseoir là-bas? Oh putain, mais heureusement qu'on en a pas besoin. J'ai perdu le Oh tabouret. putain. Oh viens, je prends une statue, je prends les pyramides, les statuettes, qui sont des objets On pouvait clés, tourner et ça je tout à les l'heure ou envoie pas? là-bas.
Arrête, arrête. On pouvait le tourner ou pas ça? Oui. Mais je vois pas trop l'objectif. Combien le timer? 11 minutes 20. Vous inquiétez pas. On sait ce qu'on fait. Moi je sais pas. Je sais ce que je fais. Putain, mais y'a rien là. En fait, c'est qu'on est, on est maigre en niveau indice. À part branler la boule. Ah! Oh! 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 Regarde, y'a des rayures. Et alors? Ah! Bah là aussi, y'a des rayures. Montrez-les-moi. Ça, c'est des rayures et y a des points ou pas? Y'a des points en bas. Ouais, y'a des rayures et points en bas, bah c'est ça? Ces points rouges. On peut faire la différence ou pas? Ah non. On va se réduire les points comme ça. Et l'autre forme, c'est quoi? Ouais, bah tu vas toutes les essayer en gros. En gros, ouais. Je suis un connard, mais je m'en fous. De résolution de digue, ça. Ouais, vas-y, fermez un œil là-dessus, c'est pas grave. Oh putain! Pied. Pied. Ouais, bah après, non, il y a d'autres formes quoi. Je vais peut-être mettre des statues de pyramide là-dessus. Ah non. Curieux. Ah, lui il aime bien par contre. Some spot allows you to rotate them with space. Ok, faut reproduire ce qu'il y a là-bas. Ouais. I understand. Et lui, il faudrait des jumelles, je vois mal. Il nous faut des statuettes. Oh. Oh oh. Eh ben. Oh. Il y a des colonnes. Oh oh. Quelque part. Oh oh. Pardon. Il y en a 5 sur 3 niveaux. Donc il y en a qui s'entrechoquent. C'est comme le placard dans ma chambre. Bon, <allez. rire> ah non, il s'entrechoque pas. Bon, ok. Ça c'est juste pour le côté RP. Oh mais est-ce que ce serait pas ce que je vois devant moi? Ah tiens. Le pharaon est tout à droite. La pyramide. Quoi? Ça, en escalier c'est à c'est en deuxième. Il est là-bas. Tout à gauche c'est un poteau. La pyramide est au centre. Le poteau est tout à droite. Tout poteau est... Ah mais le sphinx aussi. Mais... Ah ouais. Ouais. Yalla. Et là. Et on dirait faut que tu refasses maintenant les... Oh. On dirait des constellations. Tu vas pas tout refaire quand même. Ah, je pense pas que ce soit ça. Ouais enfin, parce que là il y a trop de points. Oh, on n'appuie pas malheureux. Oh non, j'ai appuyé. Super. C'est bon, j'ai désappuyé. Ah, heureusement, ça marche plus. C'est-à-dire que c'est fini. Oh! Attends. Amenons les pyramides. Ça, là. Alors, faut se baser sur quoi? Bah, la hauteur des tours. Bah, des toits, ouais. Le plus petit, le plus grand. Et ça, bah, je sais pas encore quelle taille ça fait, parce qu'on n'a pas d'échelle de différence, mais... Avec une soupe, un hibou. Et un bavoir. Et là, il y a un triangle aussi. Ah, bah ça. C'est forcément... Pied. Oh, regarde, ça les a allumés. Ouais. Et donc là, il faut trouver la soupe. Une bonne sous-soupe. Pourquoi ça a allumé alors que j'ai pas mis soupe, là? Ça a allumé la soupe. Pourquoi? C'est moi qui ai bougé. Ah. Bah oui. Refais bouger. T'as fait bouger et la soupe. Attends, remets le bavoir. Parce que là, ça a allumé celui-là. T'as fait quoi là? Y'a un moulin à poivre. Ah bah super. Bah faisons l'autre alors. Soupe. Et hibou. T'as trouvé le hibou? Y'a un piaf, mais je sais pas si c'est un hibou, non.
Putain, c'est pas un hibou. Du coup, on fait ça. Et je le mets où le moulin à poivre? Moi, j'ai une poignée. Là! Et je le déplace! Tata! Tata, pyramide! Ah, la plus grande est. Ok, ok! Énorme, bingo. Énorme, et regarde. Bingo. Double bingo. Alors, vous pouvez faire autant d'animations à la fois tellement on va vite. Oh là. Oh, oh, les constellations. Les étoiles. Oh putain. Let's go. Quoi, il y a un ordre? Il faut appuyer sur celle qu'on voit, c'est tout. 3. Le sceptre. Waouh, celui-là je l'ai vu. Aucun ne ressemble à celui que je suis en train de voir. Ça on dirait une chaussure. Si, celui-là. Bingo. On a une pointe, une vilaine pointe. Elle est où la godasse? Elle est là la godasse. Hop. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Non mais par contre là on est allé beaucoup trop vite hein. Là le jeu n'a pas pu suivre. En fait c'est dramatique. En fait là c'est gênant. Il nous restait 5 minutes encore mais mon dieu. Putain. Mais je ne pensais pas qu'on irait aussi vite. Va falloir que vous nous créiez des rooms parce que là Va falloir qu'on ralentisse le tir là parce que c'est trop rapide finalement. Désolé, hein. On aurait aimé qu'il y ait plus de pression, mais là. Pardon. Regardez, tout a été fait. C'est terminado, hein. Oh là 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 là. Franchement. Espérons que les mondes d'après soient plus durs. Ouais, mais croisons les doigts, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympathique. C'est sympa. C'est chouette. C'est chouette, oh, ça. Eh, on se fend la gueule, putain.